Bonjour. Cette semaine, nous recevons Julien, qui est donc spécialiste des abeilles et donc qui va nous parler de son travail et de ses recherches dans ce domaine. Nous sommes le mardi 9 février, c'est l'épisode 248 et vous êtes sur Podcast Science. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui sur Podcast Science, notre invité c'est donc Julien Perrin. Bonsoir Julien. Bonsoir. On a aussi autour de nous à Paris ce soir donc Robin. Salut. Nico. Salut. Voilà. Et je crois qu'on a Johan donc qui vient de parler. Salut Johan. C'est Johan, mais oui, Johan, salut. Pardon. Putain, ouais. La honte. Et Irène qui est avec nous aussi, je crois. Mais on l'entend pas parce qu'elle a des problèmes de Wi-Fi, de micro et tout, et donc c'est le bordel. Mais elle est pas loin. Voilà, et donc moi c'est Billy, et puis je vous propose de démarrer tout de suite. Je vais essayer de vous présenter Julien, et puis ensuite on le laissera parler parce qu'il a plein de choses intéressantes à nous raconter. Alors franchement, c'est difficile de trouver par où commencer pour présenter Julien, parce que moi je l'ai rencontré par hasard en stage de botanique, alors qu'on préparait tous les deux les concours pour devenir prof. Moi, il était déjà super calé sur ce qui concernait la nature. Et il nous racontait plein de trucs intéressants sur ses activités, notamment des lagueurs. Vous savez, ceux qui coupent les branches et tout. Et quelques années plus tard, je l'ai retrouvé sur les bancs de l'éducation nationale, cette fois agrégé de biologie et surtout apiculteur-chercheur. Donc, vous l'avez compris, Julien, il a des multiples facettes. Et celle que nous allons découvrir ce soir nous permettra d'exploiter sans vergogne toutes ses connaissances concernant le monde des abeilles. Alors, juste un petit conseil, accrochez-vous parce que ce gars-là, il a plein de choses à dire et ça risque d'être passionnant. Donc voilà, maintenant que je t'ai bien mis la pression, bonsoir Julien. Ok, donc je l'ai dit, toi tu t'intéresses à l'apiculture en plus de tes autres métiers. Et je voulais savoir un peu comment tu étais venu à ce domaine-là et comment est-ce qu'on devient apiculteur. Et ben en fait, moi j'ai une famille de producteurs laitiers en Auvergne et depuis tout petit en fait je veux faire agriculteur. Mais en fait ma tante elle a repris l'exploitation quand j'étais encore petit. Du coup j'ai fait des études de biologie puisque c'était un domaine qui m'intéressait et qui était lié à l'agriculture. Mes études elles avaient pour but de devenir prof d'écologie dans les lycées agricoles. Puis en fait, finalement, j'ai eu la GREG, donc à partir de là, ça m'a permis, cette agrégation, de pouvoir monter une exploitation en visant du moyen terme et pas du court terme comme d'autres exploitations. Et vraiment d'avoir en même temps un métier d'agriculteur, mais où je peux vraiment exprimer ma passion pour l'agriculture et les abeilles. D'accord. Et donc, du coup, ta première ruche, tu l'as eue à quel âge ? Ben en fait, ma première ruche, je l'ai eue quand j'étais en plein dans les concours, que j'étais étudiant et que je devais travailler pour pouvoir payer mes études. J'étais lagueur à Milly-la-Forêt et il y avait mon patron qui m'a offert une ruche parce que ça se passait bien. Et donc, ça a été ma toute première ruche. Et elles étaient en vie pendant longtemps ? Voilà, ben en fait, oui, elles ont bien tourné en fait. Et puis, avec cette ruche, pour essayer de me former, j'ai rencontré un autre apiculteur qui était Pascal Boyard et qui est quelqu'un qui a un grand autodidacte en apiculture. Et du coup, tous les deux, très vite, ça a bien fonctionné. Et on a tous les deux essayé d'avoir une apiculture très technique. Et du coup, ça nous a vraiment. Je me suis du coup vraiment focalisé sur les abeilles puisque c'était intellectuellement très intéressant. Quoi. Et attends, se faire offrir une ruche, ça consiste en quoi ? T'as une grosse maison en bois à essayer de trouver un endroit où mettre dans ton appart parisien ou Alors, moi, j'ai jamais trop eu d'appart parisien. J'ai toujours vécu un peu à la campagne dans le sud de l'Île-de-France. Et du coup, effectivement, j'ai pris une ruche que j'ai mis chez des copains agriculteurs en fait, et ça m'a permis de pouvoir commencer quoi. D'accord. Okay. Et alors en fait, t'es plus qu'apiculteur puisque tu fais aussi de la recherche. D'ailleurs, il y avait récemment un article du Parisien qui s'intitulait donc en parlant de toi, il crée les abeilles les plus résistantes au monde sur le plateau de Saclay. Alors tu nous diras si le titre est un peu sensationnel ou pas, mais surtout, ben, quand on parle d'abeilles résistantes, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu quels sont les dangers qui concernent les abeilles aujourd'hui, pour faire le point entre ce qui se dit et puis ce que dit la publication scientifique, et puis surtout nous expliquer comment toi tu t'y prends pour essayer de lutter contre ça, quoi. D'accord. C'est un vaste sujet. Donc effectivement, voilà, l'article, bon, c'est un titre d'article, donc c'est assez accrocheur, mais oui, effectivement, on travaille sur les abeilles résistantes avec, entre autres, Pascal et puis d'autres personnes, une fondation qui s'appelle Aristabi et puis un groupe local qui s'appelle Mellifera. Et en fait, c'est assez simple. En sélection, dans l'agriculture, les gens ont toujours cherché à faire des gros rendements.
Et donc, éravement, c'est dire pour produire du miel. Voilà, pour produire beaucoup de miel, mais dans les autres filières, pour produire beaucoup de céréales, etc. Et souvent, en adaptant le milieu, en mettant des produits chimiques pour pouvoir adapter le milieu, entre autres. Nous, on a pris une démarche un peu inverse. On s'est dit, on va essayer de mettre les abeilles au centre de notre pratique en ayant des abeilles qui sont vraiment solides, qui sont résistantes. Et du coup, résistante à quoi ? Résistante aux problèmes à l'apiculture actuellement. Donc les problèmes de l'apiculture, ils sont très très divers. On a effectivement les produits chimiques qui peuvent avoir un impact, mais nous, apiculteurs, on a peu d'impact sur ce problème. On est finalement assez peu acteurs, à part en choisissant des emplacements qui sont peu impactés par les produits chimiques. Donc les produits chimiques, en fait, tu parles des pesticides qui sont utilisés. Voilà, effectivement, voilà, les pesticides, ça peut avoir un impact sur les abeilles, même ça a un impact sur les abeilles, sur plein de choses. Mais aussi un autre problème qui est présent en apiculture, c'est la mondialisation. Nos abeilles locales, avec la mondialisation, elles sont mises en contact avec des nouvelles maladies, des nouveaux parasites qui n'étaient pas du tout présents sur le territoire avant. Et du coup, là, ça fait une mortalité vraiment aiguë chez nos abeilles. Ces parasites, elles vont décimer nos colonies. Comme parasite, tu parles. Alors, un des parasites qui est vraiment important en apiculture, en fait, qui est vraiment très délétère, c'est le varroa. Le varroa, ok. Voilà, c'est un parasite qui a été vu pour la première fois en 1936 en Indochine. Puis finalement, il est arrivé par la Bulgarie en Europe en 1970. Donc on voit qu'à l'échelle de l'évolution, c'est tout récent. Pour arriver qu'en 1982 en France. Et donc on comprend bien que nos abeilles n'ont pas eu du tout le temps de s'adapter à ce nouveau parasite. Surtout que la solution qui a été mise en place a été de traiter les colonies, en fait. D'accord. Mais alors le varroa, qu'est-ce qu'il fait aux abeilles, en fait ? C'est une sorte de puce pour les abeilles, non ? Voilà, si en fait, c'est ça. C'est le varroa, c'est un acarien qui va sucer l'hémolymphe des abeilles. Donc déjà, ça les affaiblit parce que ça suce l'hémolymphe à différents stades. Donc l'hémolymphe, c'est le sang des abeilles. Voilà, le sang des abeilles, que ce soit des larves ou des adultes. Et en plus, les nouveaux problèmes avec la mondialisation, c'est qu'il y a aussi des virus qui sont très présents. Et les varroa, justement, vont favoriser l'entrée des virus dans les abeilles. Et donc, en fait, ce parasite, le varroa, qui est un parasite qui vient d'Asie, est vraiment très très problématique en apiculture. Quand il est arrivé, il y a 50% des colonies qui ont disparu la première année. Et voilà. Et alors, dans les pays d'où le varroa est originaire, est-ce que les abeilles ont mieux survécu ou... Alors, ça c'est très intéressant, effectivement. Dans les pays où le varroa est à l'origine, en fait, il n'est pas sur Apis mellifera, l'abeille que nous on utilise, il est sur Apis serrana, qui est notre espèce d'abeille. Et du coup, en fait, il y a une coévolution entre cette espèce d'abeille et le varroa qui ont fait que les deux ont réussi à vivre en équilibre et qui fait que finalement les deux arrivent à bien se porter. Nous, on a un parasite qui s'est très bien adapté à une autre espèce qui arrive sur notre espèce d'abeille, celle qu'on utilise, et du coup, on comprend qu'elle n'a pas du tout les armes pour ça. En fait, c'est ce qu'on pensait, qu'elle n'avait pas les armes pour ça. Ce qu'on a fait, c'est simplement regarder les abeilles et essayer de chercher celles qui survivent et de les multiplier. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est d'arriver à observer les colonies qui se débrouillent toutes seules contre le varroa. Et après de les multiplier. Je crois qu'en termes de taille, une fois tu m'avais donné une image, si j'étais une abeille, donc pour une taille adulte, c'est comme si j'avais plusieurs chats qui étaient greffés sur moi toute la journée et qui essayaient de sucer mon sang. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelque chose vraiment de très handicapant. Il y a une image qui est très juste en apiculture. Les abeilles, il faut imaginer qu'elles sont dans un endroit qui est un désert, parce qu'aujourd'hui, tous les bocages, tous les bords de chemin, ils sont régulièrement coupés, donc il y a très peu de fleurs, finalement, il y a peu de diversité, donc c'est une sorte de désert. Avec en plus des grippes, quelqu'un qui a la grippe parce qu'il y a plein de nouvelles maladies, et en plus avec un parasite qui nous suce le sang, donc un parasite de la taille d'un chat qui nous suce le sang. Donc on comprend bien que les abeilles, elles sont dans une situation un peu compliquée, et du coup si nous on arrive à faire des abeilles qui sont assez solides, qui arrivent à bien chercher de la ressource, à être résistantes contre les grippes, à ça arriver à vivre en équilibre avec ce parasite de la taille d'un chat par rapport à leur taille en gros, et bien là on a résolu une bonne partie du problème. Et du coup, au lieu de mettre des produits dans les ruches pour pouvoir les faire survivre, on va avoir des abeilles qui sont simplement résistantes et avoir des bons rendements tout simplement parce qu'elles ne meurent pas, en fait. D'accord. Et donc, en fait, moi, il y a une question qui... mais peut-être que tu voudras plutôt revenir là-dessus tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on fait la part des choses entre les décès des abeilles dus aux pesticides, parce qu'on parle beaucoup des néo... alors, je le prononce jamais correctement. Voilà, les néonicotinoïdes. Cotinoïdes, et puis les décès dus aux pratiques urbaines, c'est-à-dire beaucoup moins de fleurs, et puis aussi aux parasites. En fait, ta question, elle est intéressante, puisque
Je ne sais pas si on peut vraiment se la poser comme ça. Aujourd'hui, les abeilles, c'est un peu comme des petites cales. Il faut imaginer que si vous voulez lever une pierre qui est lourde, vous allez mettre plein de petits coins les uns en dessous des autres pour arriver à faire bouger la pierre qui est lourde. Et ben, les abeilles, c'est un peu ça. Il y a plein de phénomènes qui s'ajoutent les uns aux autres qui vont ensemble conduire à des problèmes de mortalité. On a un bruit de fond qui sont l'environnement qui est délétère, donc avec les produits, avec la biodiversité. Voilà. Mais on a aussi des problèmes très aigus qui sont ces nouveaux parasites qui arrivent, le frelon-asiatique qui arrive, des nouveaux problèmes qui arrivent et que nos abeilles ne connaissent pas du tout. Donc c'est plutôt des choses qui s'additionnent plus que des choses qui sont très exclusives. C'est vrai que par contre, on peut chercher quelle a été la goutte d'eau qui a tué la colonie à la fin. Mais voilà. Ok. Alors toi, du coup, comment tu vas t'y prendre pour trouver justement ces abeilles qui sont résistantes ? Est-ce que tu travailles sur une espèce particulière et comment tu fais ? Alors, ben en fait, pour trouver ces abeilles résistantes, on travaille toujours sur l'espèce que les apiculteurs utilisent, donc Apis mellifera. Après, il existe différentes races, donc on travaille sur l'abeille noire parce que c'est l'abeille locale, mais il y a aussi une communauté d'apiculteurs qui travaille avec une abeille qu'on appelle l'abeille Buckfast, qui est une abeille un peu mosaïque, en fait, qui est le résultat d'un travail d'un moine bénédictin, en cas d'un moine. On en parlera peut-être un peu plus tard, à la suite de l'émission. Et en fait, comment on fait pour identifier ces abeilles rustiques ? Ben, c'est très simple. Alors, toi, tu me disais que tu travaillais sur les abeilles noires, donc c'est des abeilles de l'Essonne, c'est ça ? Les abeilles noires, c'est les abeilles de l'Ouest Europe, en fait. D'accord. Et les abeilles noires sont les abeilles rustiques ? Alors, les abeilles noires, on pourrait penser qu'elles sont plus rustiques que les buckfasts, par exemple, vu que c'est Parce les abeilles quand tu locales. Dis rustique, tu veux dire quoi ? Qui meurent pas. Ah, d'accord. Voilà. Rustique, ça veut dire qui survit. Pour quoi, moi, rustique, c'est un truc qui meurt pas. D'accord. Et, ok. Je savais pas si c'était vraiment le nom d'une race ou. Voilà. C'est ça, des tough bees. Et en fait, du coup, les abeilles noires, elles ont un intérêt, c'est les abeilles locales. Et du coup, c'est un certain patrimoine à conserver. Par contre, le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours adaptées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le milieu a changé. Par exemple, il y a les colzas qui sont présents alors qu'avant, ils n'existaient pas. Voilà, il y a plein de fleurs qui existent maintenant qui n'existaient pas avant. Les parasites qui posent problème aux abeilles, ben en fait, c'est des parasites qui ne sont pas du tout locaux. Donc, nos abeilles locales, en fait, elles sont un peu pas trop adaptées à ça. Du coup, justement, la communauté de Buckfast, elle a plutôt essayé d'utiliser, en fait, des abeilles qui étaient résistantes. Ça, c'est né comme ça, la Buckfast. C'est en gros, en Angleterre, les abeilles locales sont toutes mortes à cause d'un parasite. Et ils sont allés chercher une variété qui ne mourait pas, en fait. Et donc, du coup, l'abeille Buckfast, ça a été vraiment une recherche pour avoir des abeilles rustiques qui meurent pas quoi. Et donc moi je travaille beaucoup sur cette race. Ensuite comment on fait pour identifier les abeilles qui sont résistantes par rapport à ces maladies ou à ces parasites? En fait, les parasites et les maladies peuvent attaquer les abeilles à deux moments. En gros, elles peuvent attaquer les abeilles quand elles sont bébés, et dans le couvain, ça s'appelle, où tous les bébés d'abeilles sont, ça s'appelle le couvain, et aussi quand les abeilles sont adultes. Et du coup, pour sélectionner des abeilles qui sont capables de se défendre face aux attaques quand elles sont bébés. Mais alors, c'est-à-dire comment elles se défendent ? C'est des comportements, c'est de la génétique ? C'est ça, c'est des comportements en fait. C'est des comportements d'hygiène. En gros, si vous lavez, si chez vous c'est propre, il y a moins de chances que vous attrapiez des maladies. Ça veut dire que les larves d'abeilles sont capables aussi d'avoir des comportements d'hygiène. C'est exactement ça. Exactement. Alors, c'est pas vraiment les larves, c'est qu'on va regarder la capacité des abeilles adultes à nettoyer les bébés abeilles qui sont malades. En fait, elles détectent les abeilles et les jeunes abeilles qui sont malades et les nettoient. En fait, soit si elles sont mortes, les enlèvent, soit voilà, vont nettoyer le couvain. Et donc, nous, on arrive à détecter ça en prenant un bout de couvain, on le conjette à l'azote liquide, on regarde, donc on tue des larves. Et en fait, on va regarder, en cas des nymphes, et on va regarder au bout de combien de temps les abeilles elles vont repérer que le couvain a été tué. Il y a des abeilles qui le repèrent tout de suite, et des abeilles qui le repèrent jamais. Dans l'ensemble du couvain, vous en congelez juste une partie à l'azote liquide, et vous regardez si les abeilles de la ruche s'en sont rendues compte et sont capables de nettoyer le bazar. Quoi. Et en fait, on a des abeilles qui ont un sens de l'hygiène très prononcé, on parle d'abeilles hygiéniques. Dès qu'il y a un problème dans le couvain, elles le prennent, elles le nettoient. Alors que d'autres, elles vont laisser les problèmes dégénérer. Et du coup, on comprend bien que quand il y a une maladie qui va attaquer le couvain, ça va prendre tout de suite des grosses proportions. Alors que les hygiéniques vont la maintenir à des seuils qui sont
pas trop pathogène et du coup les choses vont être en équilibre et ça va bien se passer. Donc ça veut dire qu'en fait, toi, ton abeille rustique, celle qui survivrait, ce sont donc des abeilles qui ont un comportement qui vont laver leur couvain automatiquement, mais du coup c'est pas juste un moyen de défense contre le varroa, ça pourrait marcher contre d'autres parasites. Effectivement, et d'ailleurs en fait ça c'est une très bonne remarque ce que tu fais, c'est que ce comportement hygiénique, il a pas été découvert pour le varroa. En fait, c'est plutôt pour les maladies du couvain, comme les loques, le couvain plâtré. Et par contre, il y a Spivak qui a montré en fait, que ça pouvait avoir un impact sur le varroa, qui est un parasite du couvain, mais aussi des adultes. Et donc là, c'est un autre critère de rusticité. C'est en fait un caractère qui s'appelle le VSH, le varroa sensitive hygiénique. Donc c'est la capacité des abeilles à nettoyer les varroa, donc ce petit acarien qui va parasiter les abeilles. Et donc ce comportement, il est déterminé par les gènes ou est-ce que ça se fait par l'exemple ou il y a de l'apprentissage chez les abeilles ou Ah ça c'est intéressant effectivement. C'est un comportement qui est vraiment codé génétiquement. On le voit très bien quand on fait de la sélection, on arrive à le faire augmenter très vite dans nos lignées. Et par contre, je m'étais jamais posé des choses comme ça, mais ça serait intéressant d'essayer de creuser la question. Est-ce qu'il y a un apprentissage qui pourrait se transmettre aux colonies pour ce comportement? Donc c'est intéressant, mais voilà, nous on voit, comme mon travail c'est de faire de la sélection, que quand on sélectionne les colonies qui nettoient, ce caractère va augmenter très rapidement dans les colonies et va même augmenter quand on va juste prendre une petite larve pour faire une nouvelle reine. Et donc où les abeilles vont pas se rencontrer. Donc là, sans apprentissage culturel en fait. Et vous faites des recherches aussi en génétique. Est-ce que vous avez réussi à identifier des gènes qui sont spécifiquement responsables de ce caractère ou... Voilà. Donc en fait, c'est effectivement il y a plusieurs gènes qui sont identifiés. Donc il y a le caractère hygiénique et il y a le caractère VSH. Pour le caractère hygiénique, donc c'est plutôt un panel de gènes qui vont en fait permettre une meilleure sensibilité des abeilles aux odeurs. C'est des gènes qui contrôlent souvent la dopamine. Et en fait, c'est des gènes qui sont récessifs et ça fait qu'en apiculture, il faut essayer de beaucoup travailler en consanguinité pour essayer de fixer ces caractères de résistance. C'est un truc qui est assez intéressant parce que généralement, la consanguinité, ça amène à des problèmes de résistance, généralement. Alors que nous, il faut qu'on la recherche un petit peu justement pour arriver à fixer ces caractères qui sont récessifs malheureusement pour nous. D'accord. Et donc en pratique, comment tu fais? Parce que là, donc, ta ruche, tu as détecté que certaines abeilles avaient ce comportement-là et toi, ton but, c'est de les multiplier. Voilà. Et là, c'est tout un problème. Et là, il faut comprendre la biologie de l'abeille pour pouvoir comprendre comment sélectionner sur l'abeille. C'est vraiment super intéressant. Donc peut-être que tu peux nous faire un petit rappel sur la biologie rapide de l'abeille, c'est que finalement, dans une colonie, il y a une reine et des ouvrières. La reine, elle a un papa et une maman, donc elle est diploïde. Les ouvrières. Donc, diploïde, ça veut dire qu'elle a un génome qui vient de la moitié de voilà, sa la moitié de sa mère, l'autre la moitié de son père. Son père. Les ouvrières qui sont dedans, elles sont aussi diploïdes. Elles ont une partie de leur génome qui vient de leur père. Et une partie de leur génome qui viennent de la reine de la mère. Okay. Les pères, en fait, où est-ce qu'on les retrouve dans la colonie? En fait, c'est qu'ils ont tous fécondé la reine au début et ils ont rempli une sorte de petite spermathèque et la reine va déposer un peu de sperme sur les œufs quand elle va les pondre. Parce que ça veut dire que du coup, toutes les ouvrières sont génétiquement différentes puisque chaque spermatozoïde est génétiquement différent et chaque ovule de la reine est génétiquement différent. Voilà, aussi. Et là, effectivement, c'est là où voilà, on va comprendre à quel point les choses sont pointues. Effectivement, la reine se fait féconder en moyenne par 12 mâles. Donc on comprend que dans la spermathèque, il y a une grande diversité génétique et par contre, la reine, elle a une diversité génétique un peu plus faible. Et du coup, en fait, le problème en sélection, c'est que comme il y a une grande diversité génétique, si on veut créer des nouvelles reines, il va falloir qu'on prenne des larves pour pouvoir les faire. Et notre problème, c'est que les larves sont toutes très différentes à cause de cette diversité des pairs. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui fait qu'on devient ouvrière ou reine, en fait? Voilà. Et quand on est une larve d'abeille. C'est ça. Quand on est une larve d'abeille, au début, on est tous soit une ouvrière, soit une reine, en fait. C'est que l'alimentation de la larve qui va contrôler le fait qu'elle devienne une reine ou une ouvrière. En fait, dans la gelée royale, il y a des facteurs de transcription qui vont activer différents gènes. Alors la gelée royale, pour nous rappeler rapidement ce que c'est pour les... La gelée royale, c'est en fait une gelée qui est produite par les nourrices, par des ouvrières, qui va permettre de nourrir les larves et en fait, et après les différents stades du couvain. Et c'est différent du miel. Voilà, c'est différent du miel. Et en fait, au début, tout le monde est nourri avec ça.
Puis au bout d'un moment, quand on va devenir ouvrière, on va plutôt être nourri avec du pollen et puis du miel. Par contre, quand on est reine, on va être nourri vraiment avec que de la gelée royale. Voilà. Et cette abondance de gelée royale va activer des gènes qui vont conduire à la transformation en reine et non en ouvrière. D'accord, ça veut dire que quelque part, ce sont les ouvrières au départ qui choisissent qui va devenir... Voilà, exactement. C'est les ouvrières qui vont choisir qui va devenir la reine. Et c'est pas juste parce que elle était, cette larve-là était tombée dans une... alors je sais plus comment ça s'appelle, une case un peu plus grande. Alors, effectivement, au début, les larves elles vont toutes être dans des cellules qui sont identiques. Ouais. Mais en fait, une colonie, quand elle veut faire une nouvelle reine, il va y avoir tout un processus démocratique dans la colonie. Les abeilles vont voter en mettant des petites bouts de cire sur la cellule. Et en fait, à un moment, s'il y a beaucoup de bouts de cire, ça va faire une grosse cellule qu'on appelle une cellule royale. Et c'est la présence d'une grosse cellule favorise le fait d'être nourri par de la gelée royale. Il y a une sorte de vote. Si la reine sent bon, il va pas y avoir de vote pour faire une nouvelle reine. Si la reine est absente ou ne sent pas très bon, et ben il va y avoir beaucoup d'abeilles qui vont voter pour faire une reine et elles vont créer une ou plusieurs reines. Voilà. Et donc nous, par contre, on va pas faire voter les abeilles quand nous on fait de la sélection. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de prendre nous des larves qu'on va mettre dans des conditions pour qu'elles soient vraiment nourries par beaucoup de gelée royale. Et en fait, pour revenir à notre problème de tout à l'heure, on a le problème, c'est que justement, il y a une grande diversité dans les différentes larves à cause de cette diversité dans les mâles. Et du coup, la stratégie qu'on a adoptée avec la fondation avec laquelle je travaille, Aristavie Recherche, c'est qu'au lieu d'inséminer les reines avec un panel de mâles, on insémine les reines avec qu'un mâle. Du coup, ça fait qu'on rend nos larves beaucoup plus homogènes génétiquement. Et du coup, sur les caractères qu'on cherche, on va avoir un effet de tout ou rien. On va avoir des colonies qui vont être, par exemple, très bonnes en hygiène et des colonies qui vont être très mauvaises. Et au départ, la reine et le mâle que vous avez choisi pour faire cette insémination artificielle, vous les avez choisis au hasard ou parce qu'au départ, déjà, il venait d'une colonie qui vous intéressait sur certains caractères? Donc voilà, en fait, on va... Vu qu'on fait de la sélection, dès qu'on fait du travail, on a une colonie, c'est du temps pour s'en occuper. Donc on va essayer de limiter les erreurs et donc on va limiter le hasard du coup. La reine, donc la larve qu'on va prendre pour faire une nouvelle reine, on va la prendre d'une colonie qu'on a testée sur les différents caractères de résistance. Et ensuite, là, on va arriver à une génétique encore plus complexe pour le choix des mâles. En fait, les mâles, dans les ruches, ils ont une maman, la reine, mais ils n'ont pas de papa. Par contre, ils ont un grand-père. Alors attention, là, il faut réfléchir. Ouais, voilà. C'est que, en fait, les mâles d'abeilles, ils proviennent d'un œuf que la reine a pondu, mais qui n'a jamais eu de sperme dessus. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ce sont ses propres ovules qui ont donné des individus entiers et qui ne possèdent que son génome, c'est ça? Voilà, ils ont une origine. Alors tout à l'heure c'était diploïde parce qu'il y avait deux choses, là on est haploïde. Donc ça veut dire que toutes les femelles dans une ruche sont diploïdes, c'est mais ça. Que les mâles sont haploïdes. Voilà, alors les choses en vrai sont un peu plus compliquées parce que c'est l'hétérozygocie d'un gène qui contrôle ça, mais on va pas forcément rentrer dans ces détails. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse, non? Ouais, voilà, c'est ça, entre autres. Et du coup, sur ces mâles en fait on va devoir les choisir. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des colonies qui sont très bonnes sur les caractères qui nous intéressent. Et à partir de là, vous êtes d'accord que si la colonie est bonne, c'est que les ouvrières sont bonnes. Parce que ce qu'on voit dans la colonie, c'est toutes les ouvrières qui travaillent. Du coup, ça veut dire que ce qui est bon, c'est la reine, mais aussi ce qu'elle contient dans sa spermathèque. Si je prendrais les mâles directement dans cette colonie, j'aurais la partie de la reine, mais j'aurais pas la partie de la spermathèque vu que c'est des œufs qui sont pas fécondés. Du coup, on va faire plein de filles, plein de nouvelles reines sur cette bonne reine, et c'est sur ces filles là qu'on va prendre les mâles en fait. Ah d'accord, donc en fait vous allez prendre une reine et un de ses petits enfants mâles pour la féconder après. Voilà, c'est ça. Et on va recribler dans toutes les filles qu'on va faire si elles possèdent toujours les caractères. Donc là, on arrive au point extrêmement compliqué de la sélection en apiculture, ce qui nous a protégé contre certains gros lobbies, c'est que la génétique est très compliquée. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué, il faut jouer sur les générations, sur l'héritabilité des caractères, et c'est assez passionnant du coup. Et alors pourquoi tu dis que ça vous a protégé contre les gros lobbies? En fait, il y a des espèces comme les blés qui se reproduisent assez rapidement finalement, on peut faire des générations, c'est facile d'en cultiver plein dans les champs. Nous les abeilles, le cycle il prend au moins une année pour en refaire,
Et puis en plus, on a les femelles qui sont diploïdes, les mâles qui sont haploïdes, et donc ça met toute une complexité. On a en plus les femelles qui sont fécondées par plusieurs mâles, donc ça remet encore de la diversité, et la diversité c'est quelque chose qui est compliqué à gérer quand on veut sélectionner des choses. Parce que quand on prend une larve pour pouvoir faire une nouvelle abeille, par exemple, eh ben on a beaucoup de contraintes aléatoires qu'il faut essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de les limiter pour prendre les meilleures larves possibles. D'accord. Et donc, du coup, j'imagine que tu commences à obtenir des résultats avec ta recherche d'abeilles rustiques. Et voilà, et donc ça a été avec Aristabi, on a mis justement en place cette stratégie d'inséminer avec qu'un mâle. Et beaucoup de personnes, en fait, il existe déjà des abeilles résistantes, par exemple au Varroa aux États-Unis, on cherchait à utiliser le sperme qui existe de mâles américains. Mais en fait, nous, on n'a pas du tout utilisé cette stratégie. On a essayé de regarder si dans nos abeilles qui étaient bonnes en miel, qui ne s'aimaient pas, on arrivait à trouver des abeilles résistantes. Parce que finalement, avant, on ne l'avait jamais vraiment regardé. Et du coup, la grande surprise, dès la première année, on a trouvé dans des colonies qui étaient des colonies de prod qui tournaient vraiment très bien, ben des abeilles qui étaient très résistantes. Que classiquement, les gens se seraient dit « Ah, dans le doute, je traite ». Et en fait, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est des colonies qui étaient résistantes et qu'on retrouvait dans des colonies de prod. Ouais, du coup, ça donne plutôt une note d'optimisme parce qu'en général, quand on parle des abeilles et de ce qui se passe actuellement, c'est quand même assez pessimiste, peut-être à raison, mais là, ça nous donne quand même une lueur d'espoir sur la possibilité de. Ah ben, et clairement, et surtout, c'est super intéressant parce que. Ce que j'entendais avant dans le système, c'était de ne pas traiter les abeilles contre les nouvelles maladies, c'était criminel parce qu'on pouvait aller contaminer les autres. Et là, on se rend compte que ben, justement, grâce à ça, grâce aux petits amateurs qui ne traitaient pas forcément, eh ben, les colonies restantes qui ont réussi à se maintenir et à exister. Et du coup, nous, ben, maintenant, ces colonies restantes, on essaie de les multiplier pour qu'elles soient, on va dire, parfaites, pour pouvoir maintenir une apiculture paysanne et de qualité. Nous, on va faire de la sélection paysanne pour pouvoir arriver aux différents collègues apiculteurs, leur donner des abeilles ben, qui tiennent le choc et pour qu'ils puissent produire un miel de top qualité. Voilà, quoi. La sélection paysanne avec quand même le savoir-faire en génétique. Quoi. Voilà, mais c'est exactement ça en fait que le monde agricole doit devenir aujourd'hui. On a deux grands choix. Soit on va laisser une structuration de la filière qui va amener différents intermédiaires ou une perte de savoir des agriculteurs. Nous, ce qu'on cherche pas du tout, c'est qu'aujourd'hui en apiculture, on a des gens qui sont extrêmement diplômés qui arrivent et du coup, on a des compétences qui sont très diverses, mais on a tous beaucoup de compétences et du coup c'est de mutualiser les choses. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en communauté, en groupe, pour arriver à faire une agriculture qui se prend en main pour se protéger contre les problèmes qu'on peut voir dans d'autres filières en agriculture. On peut voir par exemple le porc en ce moment. D'accord. Et du coup, alors je sais pas, mais pour faire tout ça, pour faire ta recherche, est-ce que tu as dû développer des outils particuliers qu'il a fallu mettre en place ou... Alors, en fait, effectivement, pour arriver à multiplier ces abeilles rustiques, on a dû maîtriser les techniques qui étaient obligatoires, qui sont l'insémination artificielle. Moi, j'aimerais pouvoir faire féconder mes reines naturellement et que dans tous les mâles qui se trouvent dans l'écosystème, ça soit seulement les résistants qui arrivent à féconder mes reines. Parce que du coup, le problème, c'est que quand on fait de l'insémination artificielle, vous choisissez au hasard, alors que normalement, dans une insémination naturelle, on peut imaginer que seul celui qui a les spermatozoïdes les plus résistants vont pouvoir aller féconder l'ovule de la reine. Enfin, c'est ça que tu veux... Voilà. Eh ben, en fait, alors, c'est vrai qu'en fécondation naturelle, les mâles qui ont du mal à voler, par contre, ne vont pas féconder les reines, alors qu'en fécondation artificielle, ils pourraient le faire, ils peuvent le faire. Mais surtout, la grosse contrainte, c'est que quand on fait de la fécondation naturelle, effectivement, les fécondations sont de meilleure qualité, mais aussi, ça prend beaucoup moins de temps. Et du coup, ça permet de faire des plus grandes séries. Le problème, c'est que c'est compliqué de contrôler quel va être le mâle qui féconde en naturel, vu qu'il y a plein de mâles et qui volent 20 km. Donc, on comprend bien que quand on fait un rond de 20 km autour de nos colonies, on trouve beaucoup, beaucoup de mâles qui nous intéressent pas forcément. Du coup, on a dû faire de l'insémination artificielle et du coup, c'était intéressant parce que quand j'avais des compétences de bio, il faut travailler presque en milieu stérile. Voilà, on travaille sous bino, donc c'était des méthodes que je connaissais et que j'ai pu réutiliser en fait, mes compétences théoriques que j'ai pu les remettre en œuvre et ça, c'était assez intéressant. Mais si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, le mâle, quand il féconde la femelle, je crois qu'il y a la moitié de son abdomen qui reste et en général, c'est un coup et c'est terminé, non? C'est ça, effectivement. Du coup, toi, tu fais comment? Effectivement, en fait, dans la nature, il y a une compétition spermatique entre les mâles. En fait, les mâles, faut imaginer que c'est une abeille avec des gros yeux pour voir les reines, des grosses ailes pour être le premier à les attraper. Et en fait, le corps, c'est un gros pénis, un endophallus. Et en fait,
ce gros pénis va rester coincé dans la reine. Comme ça, ben, ses copains, ils n'arriveront pas à la féconder. Alors après, les reines développent des stratégies pour... C'est un romantisme incroyable. C'est ça. Je suis en train de l'imager. C'est dommage qu'on n'ait pas de dessinateur ce soir. Ah mince. Ah, il y a Pouillot, ouais, j'ai pas, je vois pas la chatroom, pardon. Mais il n'y a pas FIP. C'est ça. Pouillot a dit, heureusement qu'il n'y a pas FIP, sinon la chatroom serait déjà blindée de dessins. Voilà. Et donc, du coup, la reine, elle a développé des stratégies, en fait, pour enlever ce pénis qui restait coincé en elle. Et où, par exemple, elle va retourner à la ruche où les ouvrières vont l'enlever et elle va se faire féconder par 12 mâles. Voilà. Et du coup, nous, quand on fait de l'insémination artificielle, il va se passer le même phénomène que dans la nature. En fait, les mâles, ils vont sortir leur grand phallus. Nous, on va prélever le sperme et ils vont mourir comme dans la nature. D'accord, donc vous leur arrachez la moitié de... Alors nous, on ne l'arrache pas, en fait, simplement, on fait un peu comme les pendus, hein, on leur écrase la tête, donc on leur fait perdre des gaz et du coup, ils ont une érection. Voilà. Et du coup, à partir de... Ouais, c'est assez simple. Et du coup, une fois qu'ils ont cette érection, il y a un petit bout de sperme avec du mucus au bout et nous, sous binoculaire, on va récupérer le mucus. Donc, en fait, on copie la nature, quoi. C'est classe. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est que la reine, on va lui mettre ce sperme, en fait, à l'intérieur. Et du coup, le problème, si simplement on l'inséminerait avec ce sperme, la reine, elle ne pondrait jamais. Ce qui est super rigolo chez les abeilles, c'est qu'elles ont vraiment besoin de deux orgasmes, ou un orgasme au moins de 10 minutes, pour pouvoir rentrer en ponte. Si elles n'ont pas ces orgasmes, en fait, elles ne vont jamais rentrer en ponte parce qu'elles ne vont pas croire qu'elles ont été fécondées. Alors, ce que tu appelles orgasme, du coup, c'est quoi ? C'est comme l'image qu'on en a en bonne alors, humain nous, ou, Alors, mes reines, non, elles ne vont pas crier pendant qu'on... ou des trucs comme ça, mais c'est simplement un peu, je vais reprendre avec les pendus, où il y a des pratiques sexuelles qui consistent à se pendre, en fait, où en fait, on va augmenter le CO2 dans notre organisme. Et pour les reines, on fait pareil, on va les mettre, en fait, sous CO2. Et du coup, ça va mimer en fait les phénomènes qui voilà. Alors c'est un truc qu'on fait comme ça, on voit que ça marche. Après, les mécanismes ne sont pas toujours très bien connus. D'accord. Et en fait, on les met sous CO2 au moins 10 minutes ou 2 fois 5 minutes et pour qu'elles puissent rentrer vraiment en ponte. Sans ça, elles ne rentreront jamais en ponte. Et donc vous les inséminez, vous les replacez dans une ruche, c'est ça ? Oui. Pour qu'elles puissent pondre et elles survivent à tout voilà, ça finalement. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, comme dans la nature, elles survivent sans problème. Et du coup, après, elles vont donner des colonies qui même se développent très très bien, vu que c'est des abeilles qui sont sélectionnées sur des caractères de rusticité. Et donc après, c'est toutes ces reines et ces colonies, on va essayer de les diffuser à plein de collègues pour arriver à améliorer l'environnement en ayant plein d'abeilles rustiques un peu partout. Et aussi, partager ça avec les collègues pour avoir une filière qui a une diversité ou d'abeilles différentes, et voilà, pour que ça soit robuste. Ok, et du coup, bon, on voit que l'histoire des abeilles, c'est pas si simple que ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur, d'un côté, l'histoire évolutive des abeilles, et puis, peut-être en parallèle, l'histoire de la domestication des abeilles ou... Ben, on peut essayer de faire par ordre à peu près chronologique. Donc, on va commencer par l'histoire évolutive des abeilles. En fait, les abeilles sont des hyménoptères et on retrouve les premiers hyménoptères au Trias moyen, donc c'est il y a moins de 135 millions d'années. Et en fait, ces hyménoptères, ils pollinisaient les pins, en gros. Puis ensuite, plus tard, on va trouver en fait des apocrites, donc qui sont un peu plus proches des abeilles, qui sont des hyménoptères toujours, mais plus proches des abeilles. D'accord, ça veut dire que si aujourd'hui on arrive à retrouver ces apocrites et qu'on essayait de faire féconder des abeilles, ça fonctionnerait pas parce qu'elles sont vraiment assez différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, alors les apocrites, c'est pas encore les abeilles à miel que nous on utilise, c'est plus proche, mais on n'est pas encore à nos abeilles. Nos abeilles vont arriver plus tard. On a le genre Apis, donc en fait qui est vraiment là plus proche de nos abeilles. Qu'on observe à partir du Miocène, donc c'est il y a 25 millions d'années. Dans le genre Apis, c'est les abeilles qu'on retrouve à l'origine des abeilles en Asie. On a Apis dorsata, Florea, Mellifera et Serrana. Pour retracer cette évolution des abeilles, comment ça se passe ? C'est parce qu'on a retrouvé à chaque fois des abeilles coincées dans la résine ou sont des études génétiques qui permettent de revenir en arrière comme ça ? Alors là, on a des échelles de temps qui sont assez longues et du coup, forcément, ça nécessite des fossiles parce que malheureusement, les gènes ne se maintiennent pas sur ces durées. Par contre, pour l'apparition de Mellifera et Serrana, ce qui a pu être utilisé, c'est en fait
des marqueurs. En fait, on regarde des zones de l'ADN, on sait le taux de mutation qu'il peut y avoir dans ces zones. Et à partir de là, en regardant la différence entre, de ces zones entre les différentes espèces, et ben, on peut savoir à peu près quand il est probable que la séparation ait eu lieu. Donc ça, ça peut être utilisé. Puis ensuite, au Pléistocène, donc ça très récemment, il y a 65 kilos d'années, et ben en fait on a l'Apis mellifera, donc notre abeille qui s'est séparée en différentes lignées, et ça par contre on le voit vraiment génétiquement. C'est qu'en regardant en fait le génome qui sont dans les mitochondries des abeilles, et ben on peut retrouver à quelle lignée ça. Et ça, est-ce qu'on peut faire le lien avec l'histoire évolutive de certains parasites de l'abeille ou pas? Alors, comment est-ce qu'on explique cette différenciation? Et ben ça, alors je ne m'étais jamais posé la question comme ça, mais effectivement, dans la petite histoire que j'ai racontée, je rappelais que Mellifera et Serrana, c'est les espèces d'abeilles qui sont en fait finalement très proches, et ce qui explique que le varroa, par exemple, il a pu passer d'un parasite d'un autre à d'une espèce à une autre, en fait. Ouais. Parce que c'est des choses finalement qui étaient quand même assez proches. Okay. Voilà. Et par contre, on peut voir que cette histoire évolutive de l'abeille, elle peut être très récente, parce qu'en fait, finalement, l'abeille aux États-Unis, elle n'existe que depuis 1622. Donc, c'est fou de se dire qu'on a une espèce qui est arrivée, qui est très très présente sur un continent, et qui est là depuis finalement très très peu de temps. Alors, on peut imaginer les contraintes adaptatives que ça peut avoir sur les écosystèmes, sachant que les pollinisateurs, quand même, c'est des espèces clés de voûte qui maintiennent beaucoup les écosystèmes. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Mais c'est rassurant aussi, parce qu'on se dit, du coup, s'il y a moins d'abeilles... mais bon, sauf si les espèces qui ne se faisaient pas polliniser par les abeilles ont disparu ou ne donnaient pas de fruits comestibles pour l'homme. Et ça veut dire qu'elles ont fait disparaître des espèces pollinatrices, on sait ça ou pas? Alors, en fait, il pouvait y avoir par exemple, pas mal de pollinisation, par exemple, par des petits mammifères, par des petits oiseaux, par une grande diversité de diptères, de coléoptères, voilà. Et peut-être que ça a impacté sur les espèces locales et ça serait effectivement très intéressant à voir. Et j'ai pas d'infos, donc du coup c'est compliqué de donner des informations solides dessus. Mais je pense que c'est un sujet qui serait passionnant. Parce que c'est pas parce qu'elles pollinisent à la place d'eux qu'elles prennent la place, mais... Oui, mais par contre on peut imaginer que des plantes qui seraient européennes, donc qui seraient d'Europe, qui seraient amenées aux États-Unis, pollinisées par les abeilles, se développent et remplacent des mutualismes qui ont été mis en place sur des années voilà, assez longues parfois. Et donc effectivement c'est un sujet qui peut être intéressant parce que c'est un truc qui est c'est fou quoi, de se dire qu'il y a une espèce rapide, et voilà et là depuis vraiment pas longtemps quoi. D'accord. Et alors pour la domestication du coup, parce que j'imagine que... Et voilà, et la domestication en fait c'est une histoire qui est finalement plus récente mais pas tant que ça en fait. On observe en Espagne et en Inde en fait les premières peintures dans les grottes qui représentent des abeilles en fait, c'est en 15 000 avant Jésus-Christ. Donc on se rend compte quand même, c'est assez, assez dingue. Voilà. Ensuite, on retrouve dans les hiéroglyphes en Égypte, en moins de 3000 avant Jésus-Christ, en fait, des symboles d'abeilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période-là, par exemple, en Égypte, ils utilisaient beaucoup de propolis pour faire des momies. Et que les abeilles, en tout cas, les variétés d'abeilles qu'on retrouve en Égypte, ne font pas beaucoup de propolis. Alors la propolis, c'est quoi en fait ? C'est une substance que les abeilles récupèrent sur les bourgeons des arbres. Ces bourgeons s'en servent pour se protéger contre les bactéries et les virus, et le froid un peu. Et du coup, les abeilles font la même chose, en fait, le mettre dans la ruche pour que la ruche soit un environnement sain, pour qu'il n'y ait ni bactéries ni virus. Et du coup, on comprend bien qu'après, ils ont mis ça sur les momies pour qu'elles ne moisissent pas, qu'elles soient assez stables. Et en fait, il y avait des études qui montraient que, c'est sur des fossiles, donc elles sont un peu critiquables, mais c'est quand même intéressant, de dire qu'il y avait potentiellement déjà des échanges entre le Caucase et l'Égypte à cette période-là d'abeilles. Voilà, ou un peu plus tardif, mais voilà, avant Jésus-Christ, il y avait déjà des échanges, des transhumances d'abeilles dans ces zones-là. C'est-à-dire par des marchands qui décidaient naturellement mais... Ah non, je pense que c'est pas naturel. D'accord, c'est parce que justement, les abeilles qu'on retrouve aujourd'hui en Égypte ne produisent pas beaucoup de propolis. Donc c'est fou de se dire que déjà à cette époque-là, il y avait potentiellement des mouvements d'abeilles et voilà. J'avais une question un peu naïve sur le sujet là, quand tu parles des abeilles égyptiennes et compagnie. Moi j'ai découvert ce week-end, alors je m'étais jamais posé la question réellement, que les abeilles c'est assez vieux au niveau apparition de l'espèce. Et je me demande, est-ce qu'il y a des changements dans justement ce qu'est une abeille? Par exemple, est-ce que l'abeille égyptienne est vraiment pareille que l'abeille d'aujourd'hui? Est-ce que l'abeille d'il y a 10 millions d'années est la même qu'aujourd'hui ou pas? D'accord. Donc,
en fait, effectivement, est-ce que l'abeille égyptienne est la même que celle d'aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Tu peux dire en fait, non, mais parce qu'en fait, j'essaye de réfléchir aux différentes publications qu'il y a. Et effectivement, par exemple, quand je vous parlais que potentiellement en Égypte, on avait trouvé des abeilles du Caucase, c'est vrai que finalement, on peut dire que les auteurs sont partis du postulat que les outils pour identifier les abeilles d'aujourd'hui allaient marcher sur des abeilles anciennes. Et donc, ça veut dire qu'ils sous-entendent que finalement, il y a eu peu de changements. Par contre, quand on regarde un peu l'histoire évolutive des abeilles, il y a eu des grandes glaciations en fait dans toute cette période depuis leur apparition, qui ont fait des trucs qu'on appelle des goulots d'étranglement, des bottlenecks, qui ont fortement réduit la diversité des abeilles. En fait, il y avait des sortes d'îlots où il n'y avait pas de glaciers, où il y avait resté des abeilles, et partout où il y avait des glaciers, on comprend bien qu'il y avait, plus d'abeilles. Donc moins d'abeilles, moins de diversité. Et donc, s'il y a eu ces goulots d'étranglement, en fait, on comprend bien que quand même que la diversité des abeilles a en partie disparu. Et que finalement, on a dû perdre des caractères qui pouvaient être présents avant et qui ne sont plus maintenant. Alors après, voilà. Par contre, ces glaciations, c'était avant l'Égypte encore. Mais voilà. Entre l'Égypte et maintenant, je pense que finalement, les changements, ils sont assez moindres. Il peut y avoir des changements à la marge, mais pas forcément. Mais ça répond à ma question. En fait, bon, après, c'est une question plus générale. On pourra la reposer sur plein d'espèces, mais c'est vrai que sur les espèces qui sont très vieilles, on se demande un peu s'il y a des changements ou pas, quoi. Ben, en fait, il y a toujours du changement. De toute façon, on le voit même nous à l'échelle de la sélection, qu'en 5 ans, on arrive à vraiment changer le comportement. Et c'est ça qui est le plus fou en apiculture, c'est qu'on travaille que sur du comportement. C'est qu'en fait, on va sélectionner des caractères génétiques qui vont contrôler le comportement. Et on voit à quel point la génétique est influente dans les comportements. Et comment on peut avoir des colonies qui sont ultra agressives, qui en 3 générations, elles deviennent des moutons, quoi. Et donc, effectivement, là, on peut changer le comportement de manière radicale des espèces assez, simplement en gardant celles qui sont sympas, quoi. Voilà. Donc les Égyptiens, et après ça se développe comment ? Voilà, et après, donc je parlais de transhumance avant, les traces de transhumance en fait écrites, c'est chez les Grecs en fait en 250 après Jésus-Christ, donc là où vraiment ils en parlent. Puis en fait, finalement, à cette époque, l'apiculture était très proche de celle d'aujourd'hui. On avait les ruches troncs, les ruches paille, mais pas les ruches à cadre en bois. Et ça a été créé à l'âge d'or de l'apiculture, qui est en tout cas un peu avant en fait, en 1600. En Italie, puis après est arrivé en 1800, en gros l'âge d'or de l'apiculture, où là en fait on a eu l'apparition des cadres, donc c'est des sortes de constructions en bois où on va guider les abeilles pour qu'elles construisent à l'intérieur de ces constructions, et du coup ça va permettre de sortir les cadres d'abeilles et de les ranger, du coup d'inspecter, d'aller plus à l'intérieur des colonies pour pouvoir mieux s'en occuper, parce qu'aujourd'hui elles ont beaucoup de contraintes, donc de pouvoir voir ce qui se passe, ça permet de gérer les contraintes qu'il y a dessus. Tout en permettant, j'imagine, parce que en fait, la contrainte pour une ruche, c'est quand même de répondre aux variations climatiques extérieures, le fait qu'il va y avoir du gel ou qu'il va faire chaud, et que je crois qu'elles ont tout un système pour climatiser en quelque sorte leur ruche, et ça, c'est possible dans les cadres. Voilà, en bois, avec ça les cadres, facilite... ça fonctionne très bien. En plus, les abeilles, elles vont avoir un système de communication par vibration au sein de la ruche, et du coup, avec les cadres, elles arrivent à s'en accommoder, elles font des petits ponts. Voilà, sur ça, elles ont vraiment réussi à s'adapter à la ruche en cadre. Et du coup pour l'apiculture, pour essayer de mieux s'occuper des ruches, ça a été un gros progrès, tout simplement pour les récoltes. Par exemple, avant les récoltes, on prenait des morceaux de ruches qui s'appellent des os. Donc quand il n'y avait pas de cadre, on prenait le panier, hein, c'était un panier, et puis on tuait toutes les abeilles pour récupérer le miel, parce qu'on ne pouvait pas lever les cadres et le prendre. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met des chasse-abeilles, des sortes de passages à sens unique où les abeilles vont partir et on va pouvoir prendre cadre par cadre, enlever les abeilles et après extraire le miel. Donc ça permet d'avoir des pratiques un peu plus intelligentes, quoi. Ouais, voilà, et respectueuses de l'abeille, quoi. Et donc à partir de tout ça, il y a eu la cire gaufrée, donc la cire qui imite en fait un peu les alvéoles d'abeilles, voilà, pour les pousser à bien faire des ouvrières. En fait, la cire gaufrée, c'est intéressant parce que par exemple, les parasites, ils se développent un peu plus dans les mâles qui ont des cellules un peu différentes. Et du coup, en forçant un peu les abeilles à faire plutôt des ouvrières, c'est une méthode de lutte contre le parasite en limitant la quantité de mâles dans les colonies. D'accord. Et les mâles par colonie, il y en a combien? Enfin, une colonie, déjà, c'est combien d'abeilles à peu près? Alors, une colonie, bon, il y a en gros 1300 abeilles par cadre en fait. Et du coup, ça arrive à 20 000 abeilles très facilement. Et combien de mâles là-dedans ? Et en fait, les mâles, c'est compliqué comme question, parce que par exemple, l'hiver, il y a très peu de mâles. Dans une colonie qui est avec de la cire gaufrée, il peut y avoir très peu de mâles. Dès qu'il pleut, il y a très peu de mâles. Très peu de mâles, c'est quoi ? C'est une centaine, une dizaine ? Genre 0 ou 10, ou voilà, très peu.
Et par contre, il va y avoir des mâles quand les abeilles vont avoir la capacité de faire des cellules un peu plus grandes, quand il va faire beau, quand il y a beaucoup de nourriture. Donc finalement, des mâles, on en trouve beaucoup en juin, mai, juin, juillet, mais sinon, c'est assez réduit dans la colonie. La colonie survit à l'hiver. Les ouvrières sont toujours actives l'hiver. Comment ça alors, se passe? Alors ça, c'est quelque chose qui a une idée reçue. En fait, c'est non, les abeilles ne dorment pas l'hiver. En fait, elles hibernent pas comme les ours avec un petit bouchon de mousse, pour pas aller trop souvent aux toilettes. Non, les abeilles, elles vont faire plutôt comme les pingouins. En fait, elles vont faire une sorte de rond où en fait les individus qui sont à l'extérieur vont avoir froid. Du coup, ils vont re-rentrer à l'intérieur de la grappe pour se réchauffer. Ceux qui ont bien chaud, ils vont ressortir un peu à l'extérieur de la grappe. Il y a une sorte de rotation entre les individus comme ça, l'hiver, qui va permettre à la grappe de maintenir une température stable et de passer l'hiver. Voilà. Et dès qu'il y a dès qu'il fait beau, les abeilles vont sortir pour aller aux toilettes, boire un peu d'eau, récupérer du pollen sur les noisetiers qui sont. Pour se nourrir, du coup, parce que c'est-à-dire que il faut quand même des sorties. L'hiver, elles vont prendre elles font peu de sorties. C'est surtout pour faire de l'excrétion en fait qu'elles vont sortir. Et en fait, pour se nourrir, là, on est dans tout le mécanisme des abeilles. C'est qu'elles vont travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup en saison. Les individus vont vivre d'ailleurs peu longtemps tellement qu'ils travaillent pour stocker beaucoup, beaucoup de réserves. Et après, ces réserves vont leur permettre de passer l'hiver de manière plus tranquille, sans aller prendre le risque d'aller dehors en hiver, parce qu'il fait froid, les abeilles ne peuvent pas voler. Alors, je ne me souviens plus exactement de la valeur, mais quand il fait moins de 10 degrés de mémoire, à peu près, je vais peut-être dire une bêtise à 2-3 degrés près, mais à moins 10 degrés, l'abeille ne peut plus voler, ses muscles ne fonctionnent plus. Et donc, du coup, l'hiver, c'est vraiment une période à risque. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ont développé des stratégies de stockage qui ont fait qu'on l'a domestiqué, en fait, finalement. Ok. Et est-ce que tu avais terminé les étapes de la domestication? Alors, oui, parce que en cas non, j'ai pas terminé. Il s'est passé des choses assez importantes plus tard, en fait. Il y a eu en 1866 l'extracteur qui a été inventé, donc ça c'était pour extraire le miel sans tuer les abeilles, donc ça c'était vraiment important. Mais surtout, il y a une personne à qui il faut vraiment, vraiment, vraiment rendre hommage, c'est Frère Adam. Dans les années 1900, c'est un moine qui était à l'abbaye de Buckfast en Angleterre. Celui dont tu parlais en introduction. Voilà. Qui a vraiment été quelqu'un de très humble et de très important en apiculture. En gros, ce qui s'est arrivé, c'est que très jeune, il a dû s'occuper du rucher de l'abbaye. Et en fait, les abeilles sont toutes mortes. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait un acarien, encore une fois, pas resté les tracher les abeilles et puis les tuer. Et du coup, il a dû essayer de reprendre ça et de remettre des abeilles. Du coup, il a récupéré des abeilles qui étaient résistantes à ce problème, qui étaient des abeilles italiennes. Et à partir de là, c'est lui qui a le premier fait vraiment de la sélection pour essayer d'avoir des abeilles rustiques. C'est la Buckfast, c'est vraiment ça. C'est des abeilles qui meurent avec un problème, une stratégie pour résoudre ce problème qui était une maladie. Et donc, il a pris des abeilles italiennes, mais je ne sais pas si vous êtes allé à Buckfast. Buckfast, c'est dans le Dartmoor, c'est où il y a les chiens de Baskerville. C'est des marais, il n'y a rien à manger. Donc, on comprend bien que l'abeille italienne qui arrivait là, elle n'était pas forcément en bonne position vis-à-vis des ressources du milieu. Du coup, il est allé pas très loin, dans le Gâtinais, donc c'est en Île-de-France, récupérer une abeille locale qui était, elle, plus résistante. Donc, c'est notre abeille noire. Et il a fait des croisements entre ces italiennes et ces abeilles noires pour avoir une abeille qui était rustique au niveau des maladies, mais aussi rustique au niveau de l'environnement. Et nous, en fait, ce qu'on fait, notre travail, c'est simplement poursuivre son œuvre. Parce que quand je dis qu'il était très humble, c'est que il a construit une méthodologie sur l'abeille, mais aussi il a construit une méthodologie de partage et de travail en commun. Une de ses grandes phrases, c'est « donne sans attendre à recevoir ». Et c'est vraiment ce qui nous permet vraiment d'avancer, en fait, de travailler sous forme de communauté. En fait, la Buckfast, c'est vraiment le Linux de l'abeille. C'est que les gens se connaissent, les gens échangent, et du coup, on progresse très vite. Alors que si on essaierait tous de garder notre bien, notre truc, on n'arriverait pas à avancer, puisqu'en sélection, ça ne peut pas marcher. Ouais, mais je pense à une autre contrainte, parce que là, du coup, on s'oriente par la sélection de caractères positifs, mais j'imagine que malencontreusement, on peut aussi sélectionner des caractères négatifs, comme par exemple l'agressivité des abeilles. Et ça, est-ce que c'est un problème aujourd'hui dans vos recherches ou pas vraiment? Nous, on ne sélectionne pas l'agressivité, on ne va pas chercher des abeilles qui sont agressives. En fait, quand on fait de la sélection, on va devoir classer les critères. Nous, on a choisi de classer les critères suivant un rapport à la réalité.
Si on multiplie des abeilles rustiques, en fait, c'est pour maintenir une filière. C'est qu'on a des personnes qui vivent de l'apiculture. Les abeilles aussi permettent aux écosystèmes d'être stables. Et donc, nous, on va pouvoir essayer de multiplier quelque chose qui répond à ces contraintes. Donc, en fait, on multiplie une abeille qui est le premier critère qui, produit du miel, parce que c'est ce que les apiculteurs attendent. N'essaime pas, c'est quand les abeilles vont partir, parce qu'en ville, ça peut créer des problèmes. L'apiculteur, si ses abeilles elles partent, eh ben, ça le met en danger quand même sur l'exploitation, parce qu'il ne les a plus, hein, finalement. Donc, il y a une partie qui part, donc il en a moins. Et après, on va prendre des caractères de rusticité, comme les résistances aux maladies du couvain, donc des bébés abeilles, résistance au varroa, qui est un parasite important, et après, douceur. Voilà. Donc, effectivement, on fait attention vraiment à la douceur des abeilles pour avoir au fur et à mesure des abeilles très douces. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme nos abeilles sont toutes assez douces, ben, on peut travailler. Moi, j'y vais l'été quand j'ai trop chaud, alors en short et en t-shirt, je peux travailler aux abeilles. Alors, en fait, ce que je fais pas toujours, parce que où j'habite dans la vallée de Chevreuse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tiques. Et du coup, si je mets des bottes et des pantalons, c'est plus pour me protéger des tiques que vraiment des abeilles. D'accord. Parce qu'en plus, il me semblait que tu expliquais la dernière fois qu'il fallait se faire piquer finalement un minimum de fois quand on était apiculteur, parce que si on a trop peu de piqûres, on risque d'avoir un choc. Voilà, ben en fait là il y a effectivement toute une médiation en fait dans l'organisme, c'est que quand un danger est présenté une fois, on n'a pas forcément les anticorps pour s'en défendre, donc on va pas faire de réaction immunitaire vu qu'on n'a pas les anticorps pour répondre à cette contrainte. Par contre, si le problème est représenté à l'organisme, l'organisme va avoir des anticorps et va pouvoir répondre à cette contrainte. Quand la réponse est disproportionnée, on appelle ça une allergie, et c'est ce qui peut être problématique en apiculture quand on se fait piquer. Du coup, en fait, il faut se faire piquer pour avoir des anticorps, anti-anticorps contre le venin. Ça s'appelle des IgE, en gros. Et en fait, quand on a ces anticorps, anti-anticorps, anti-venin, et ben, du coup, on est protégé contre en fait, la surréponse. Et c'est pour ça qu'on doit se faire piquer assez régulièrement pour avoir la première étape, les anticorps contre le venin, mais en plus, les anticorps contre les premiers anticorps. C'est difficile d'être apiculteur. Et quand on revient aux abeilles, on parlait des parasites des abeilles, ce sur quoi tu travailles particulièrement. J'entends aussi parler de la compétition, des nouvelles espèces qui apparaissent sur le territoire et qui peuvent être néfastes pour les abeilles. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, en fait, si on parle dans l'interaction entre espèces qui est la compétition, et effectivement, on a en fait une compétition entre les parasites des abeilles. Par exemple, on a la nosémose. On avait notre nosémose européenne qui parasitait nos abeilles, mais comme nos abeilles européennes connaissaient la nosémose européenne, on avait un équilibre qui s'était créé. Et le problème, c'est qu'on a des nosémoses qui viennent d'Apis serrana, qui était très proche, qui en fait arrivent en Europe et là, par contre, vont déstabiliser ces équilibres et remplacer la nosémose européenne par une nosémose bien plus virulente et qui me met en danger nos colonies. Donc là, effectivement, on a les problèmes de compétition entre différents parasites des abeilles. Par contre, on a aussi actuellement des nouveaux problèmes de prédation. Par exemple, on a le frelon asiatique qui arrive. C'est ça dont je voulais parler, mais j'avais oublié. Voilà, on a le frelon asiatique qui arrive, qui lui va prendre... Alors, quel impact il a sur les colonies? En fait, c'est une bonne question. Oui, parce qu'en fait, il y a un terme technique qui s'appelle le colony collapse disorder, c'est ça? Et c'est juste pour dire quand les colonies se font défoncer, en gros, par un prédateur ou par... C'est un terme un peu particulier. Donc, je vais finir sur le frelon et après, on va aller à qu'est-ce que finalement le CCD, le colony collapse disorder? Donc, en fait, l'action du frelon, c'est de... prendre des abeilles devant les colonies, donc on pourrait dire qu'il a une action, il fait perdre de la biomasse aux colonies et du coup il les met en danger. Mais en fait l'action du frelon, et c'est là où c'est passionnant au niveau biologique, c'est que le frelon il se met devant les ruches et il va attraper les abeilles qui sortent. Et en fait du coup ce qui déclenche c'est une peur chez les abeilles. Et en fait le frelon il est pathogène pas forcément parce qu'il va enlever beaucoup de biomasse aux abeilles, mais vraiment parce qu'il va faire très peur aux abeilles. Et comme elles ont peur, elles vont plus sortir prendre des ressources et elles vont mourir de faim. Est-ce qu'il fait pas lui aussi une sorte de sélection dans le sens où toutes celles qui sortent se font tuer et donc il ne reste à l'intérieur que celles qui sortent moins? Alors, c'est aussi néfaste pour la colonie. Alors, ta réflexion est intelligente, mais en fait, les colonies qui sortent, elles vont quand même survivre parce qu'elles vont prendre de la ressource. Ah bah oui, alors que celles qui restent dans leur ruche, elles vont mourir de faim. Du coup, en fait, en sélection, par exemple, c'est intéressant de sélectionner les abeilles douces et qui ont une grosse fécondité, qui vont pas avoir peur du frelon. Par exemple, moi, cette année, j'ai un truc qui était dingue. J'ouvre une de mes ruches et là, je vois plein de frelons dans un petit truc pour nourrir des bébés colonies.
Et je me dis, bah, la colonie, elle doit être complètement morte. Et en fait, non, c'est une colonie qui n'était pas stressée. Les frelons, ils venaient, ils rentraient dans la ruche, ils prenaient des réserves et ils repartaient. Les abeilles, elles ne s'en occupaient pas. Et du coup, en fait, cette colonie, elle n'a pas été tuée, alors que d'autres colonies, bah, qui ont eu très peur, en fait, je pense en abeilles noires, et bah, se bloquent et après passent moins bien l'hiver. Donc ça, c'était pour le frelon. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le mécanisme, le coup de la peur qui est vraiment très très important avec ce prédateur. Ensuite, le Colony Collapse Disorder, c'est un autre truc qui est extrêmement douloureux en apiculture. C'est le mécanisme d'aller voir ses colonies, que tout aille très très bien, et de repasser deux jours après et d'avoir plus rien. Mais plus rien, ça veut dire même pas d'abeilles mortes. Et ça, c'est un truc... qui est très dur à vivre, parce qu'on se remet beaucoup en question, on se demande ce qui se passe, et finalement, on a peu d'éléments pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, vu qu'il ne reste plus rien. On n'a pas d'individu mort, on n'a plus rien. Et donc les mécanismes, c'est pas un simple essaimage, elles ne se sont pas toutes barrées d'un coup. Voilà, et on ne sait pas, il n'y a plus rien. Donc effectivement, à force de discuter entre nous, c'est vrai que parfois on peut voir des gens qui ont récupéré des essaims très tard, ou des colonies qui partent. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les colonies qui partent de la ruche pour aller en dessous. Et donc là, on se dit qu'il peut y avoir potentiellement un impact du milieu qui perturbe les colonies, qui fait mourir les abeilles, et que les abeilles, finalement, à la place de mourir dans la colonie et de salir la colonie, eh ben, elles vont mourir toutes dehors, une par une, et vider très rapidement la colonie. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen, finalement, de suivre une abeille, c'est trop complexe. Alors, en fait, s'il existe des petites puces, en fait... qu'on peut mettre sur les abeilles pour voir où est-ce qu'elles vont. Mais il y a aussi, par exemple, des petites applications là, qu'on essaie de développer avec des collègues. C'est de compter les nombres d'abeilles qui rentrent et le nombre d'abeilles qui sortent, et développer un truc très simple et que tout le monde peut avoir pour que les apiculteurs aient la capacité de dire « Tiens, mes colonies, elles sont toutes mortes, elles sont toutes parties là. Est-ce qu'elles sont toutes parties quand j'ai fait une manip qui n'allait pas? Est-ce qu'elles sont toutes parties quand il y a quelqu'un qui mettait un coup de pulvée à côté ?» Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et du coup, il y a beaucoup de croyances qui peuvent s'installer, ou de choses voilà, qui ne sont pas forcément de la science. Au moins de savoir exactement quand est-ce qu'elles sont parties, voilà. Pour mettre ça en parallèle avec d'autres facteurs, en fait. Et on veut que ça soit un outil qui soit pour tout le monde, en fait, un peu comme toujours l'esprit Linux, pour en fait que les apiculteurs puissent mieux comprendre quels peuvent être les problèmes de leur ruche. Et du coup, pouvoir aussi éventuellement vérifier le véritable impact des pulvérisations de pesticides à côté de là où sont insertées les abeilles ou... Voilà, ou pas en fait. C'est qu'effectivement, il peut y avoir parfois des tensions qui peuvent se faire entre agriculteurs et tout, et là, ça permet... Ou peut-être soit les apiculteurs, soit les agriculteurs sont dans des croyances, que soit que c'est dangereux, soit que c'est pas dangereux. Et là, ça permet d'avoir du fait pour pouvoir discuter sans forcément être dans la croyance. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de publications scientifiques qui montrent qu'il y a des effets certains. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est que aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été nécessaire de nourrir rapidement les gens pour pas qu'il y ait de nouvelles guerres ou de nouvelles contraintes politiques. Du coup, il y avait des gros stocks de pesticides, ça a été intéressant de les utiliser pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, nous, on est toujours dans ce schéma-là où finalement l'alimentation coûte pas cher grâce à tous ces produits. On doit se poser la question, est-ce que finalement, individuellement, quels sont les choix qu'on veut faire? Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher notre alimentation pour avoir moins de produits? Là, c'est un peu des choix individuels. Ou même prendre le temps de faire de la recherche et de développer pour pouvoir rendre aussi accessible la nourriture, mais sans utiliser ce genre de produits. Quoi. Voilà, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la nourriture, elle est en surabondance. Ça me fait réagir, parce que tu parles de ça, et puis l'émission avance. On va peut-être aborder une question, je ne sais pas si tu avais prévu de la poser, Billy, qui est un peu la question dont tout le monde entend parler, même quand on ne s'intéresse pas aux abeilles. On entend beaucoup cette phrase de « si les abeilles meurent, l'humanité, il lui reste 4-5 ans ». Est-ce qu'il y a moyen de dire quelque chose d'intelligent sur cette phrase ou pas? J'aime cette question. Oui, alors en fait, cette phrase, c'est une phrase qu'un communicant de je ne sais pas quelle société ou je ne sais pas quoi a sorti, mais qui n'est pas du tout dû à Einstein. On dit toujours que c'est Einstein qui avait tenu cette phrase. On est habitué ici qu'il y a une fausse citation d'Einstein. Voilà, c'est plus donc, sur est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière ça ou pas quoi. En fait, il y a une notion intéressante, c'est que... Il y a une notion en biologie que vous avez sûrement dû traiter dans une de vos émissions, qui est les espèces clés de voûte. C'est en gros, ça a été découvert aux États-Unis sur une petite baie. Il y a un chercheur qui a enlevé les étoiles de mer ou laissé les étoiles de mer. Et on voyait que quand il enlevait les étoiles de mer, l'écosystème s'effondrait totalement, en fait, que les étoiles de mer, en faisant de la prédation, elles permettaient un certain maintien du milieu.
et de la diversité de l'écosystème. Et ben en fait les abeilles c'est vraiment ça, les abeilles en pollinisant en fait les fleurs, elles sont importantes pour beaucoup d'espèces. Du coup on comprend bien que si on enlève les abeilles, il y a beaucoup d'espèces qui vont être mises en danger. Alors, et il se trouve que dans les espèces qui peuvent être mises en danger, on a des espèces que nous utilisons pour notre alimentation. Par exemple les pommes ou plein de choses comme ça. Et donc si les abeilles disparaissent totalement, ce qui est quand même, voilà, ce serait quand même fou, et bien effectivement on aurait des problèmes pour la pollinisation de certains produits qu'on utilise. Les abeilles et les autres pollinisateurs, hein, je parle des abeilles au sens large, les abeilles à miel, mais aussi les abeilles solitaires, et puis des mouches, et puis beaucoup de choses. Vous comprenez bien que si on a tous les pollinisateurs qui meurent, je pense qu'on sera dans un milieu qui sera aussi problématique pour nous. Parce qu'en fait, finalement, les abeilles, c'est surtout... Pourquoi on s'y intéresse beaucoup en ce moment, c'est que c'est surtout un indicateur du milieu. On a des petites bêtes qui se baladent un peu partout dans le milieu et qui ramassent des échantillons. Et on comprend bien que si l'environnement est de mauvaise qualité, ben, ça va être compliqué pour elles. Et donc si l'environnement est compliqué, ben, c'est aussi compliqué pour nous. On a la chance en plus que ces abeilles elles se sacrifient un peu pour nous, c'est que ces abeilles elles vont récupérer tous les problèmes qu'il y a dans l'environnement, elles vont les garder et après mourir. Et faire qu'elles vont malgré ça arriver à produire un miel qui reste de qualité quoi. Justement, je me demandais quels étaient les facteurs qui influençaient la quantité de miel produite par les abeilles. Alors la quantité de miel qui est produite par les abeilles elle va être directement influencée par la qualité des abeilles qui sont dedans. Donc si c'est des abeilles qui sont en pleine santé, qui sont bien fortes, qui ont les caractères de résistance, bah, si elles meurent pas elles produisent tout de suite plus de miel, donc déjà ça c'est la base. Ensuite il faut donc des bonnes abeilles. Ensuite, il faut un milieu de bonne qualité. Moi, je suis dans la vallée de Chevreuse. Avec les agriculteurs, on est tous copains. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en bio. On a un milieu qui est de bonne qualité. Donc, du coup, bah, il y a des ressources qui sont présentes. Les abeilles sont en pleine santé, donc tout va bien. Si on a un milieu qui est désertique, où il n'y a qu'une une monoculture de blé, on comprend bien que pour les abeilles, c'est plus compliqué, quoi. Donc, c'est vraiment un aller-retour entre qualité du milieu et qualité des abeilles. D'accord. J'aimerais aussi avoir ton avis sur un truc qui se dit sur les milieux justement, qui est que en fait en ville elles sont plutôt plus heureuses qu'en campagne parce qu'il y a moins de pesticides, tout ça, c'est vrai ça? Alors c'est... Donc ça c'est intéressant effectivement. Il y a une grande variété. Dans les premières années, on a vu qu'en ville les abeilles se développaient mieux. Alors ensuite avec le temps ça a un peu changé et donc il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu. En fait, un des premiers mécanismes, c'est qu'il faut imaginer que la ville, quand même, c'était un terrain qui était assez vide d'abeilles. Donc, quand on a mis une colonie, elle avait quand même un grand terrain de jeu par rapport à celle de la campagne qui était en compétition les unes avec les autres. Donc, il y a déjà ce premier mécanisme. Ensuite, quand on parle de la campagne, c'est quelque chose qui est assez diversifié encore. Effectivement, si on a des grands champs de colza, par exemple, on va avoir les abeilles qui vont très bien partir sur le colza et puis après, plus rien. On aura des grosses colonies sans ressources et donc elles vont mourir de faim ou elles vont être affaiblies et donc effectivement elles vont être en mauvaise posture. Alors qu'à la ville, on a un peu de fleurs qui traînent, une grande diversité florale qui fait que les abeilles vont avoir des ressources un peu continues tout au fil de la saison. Donc finalement, ce qui intéresse, et c'est un peu pareil, c'est un peu toujours pareil dans la vie, en fait c'est la diversité. Quand on a un milieu qui a une grande diversité, et ben pour les individus qui sont dedans, c'est assez facile de trouver les ressources qu'ils ont besoin à un moment donné en fait. Ce qui a été le cas dans la vie quand il y avait peu de compétition. Aujourd'hui ça devient un peu plus à la mode, du coup il y a un peu plus de compétition entre les abeilles, donc c'est un peu plus problématique. En plus, quand on augmente la densité, on favorise les échanges aussi de maladies et de parasites. Donc on a encore des problèmes qui augmentent. Et après il y avait aussi des publications intéressantes qui disaient que par exemple les particules de diesel pouvaient influencer l'apprentissage et la communication dans les colonies. Donc voilà, il y a d'autres contraintes qui existent aussi. Mais par contre effectivement c'est vrai qu'à la campagne on a en fait dans certaines campagnes on a des produits qui peuvent être mis dans le milieu qui peuvent impacter en fait les colonies. Et alors j'avais vu que donc toi en fait si on veut retrouver les informations que tu donnes sur les abeilles, tu as un site qui s'appelle apiculture.fr si je dis pas de bêtises. Alors non, c'est apiapi.fr, donc c'est API H-A-2-P-Y. En gros, c'est apiculteur heureux. D'accord. Parce que voilà, moi je voulais développer une exploitation qui permette à mes collègues en fait de vivre leur métier et d'être heureux en fait. Parce qu'être indépendant, avoir des abeilles qui tournent, avoir des abeilles qui ne meurent pas, en fait, ça rend fortement heureux.
Alors que quand on a les choses qui ne fonctionnent pas, et que c'est des animaux quand même à qui on s'attache, hein, les colonies, et qu'on les retrouve morts, ça rend quand même assez triste. Et donc du coup, voilà, moi c'est Happy Happy. D'accord, et sur, sur ta page Facebook, heureux. Par contre, c'est Happy Happy Culture. Voilà. Happy Culture, voilà. D'accord, parce que, en toujours fait, le premier Happy, donc comme apiculteur, et le second H-A de P-Y, comme, ouais. Comme heureux. Ok, et juste, un, j'avais, donc j'avais vu sur ta page Facebook, c'est ça que je voulais dire, qu'il y avait un article de la cellule, ce sel, qui disait que la caféine pouvait aussi influencer... la quantité de miel produite par les abeilles, qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, donc la caféine, c'est une substance qui n'a pas été inventée par l'homme, hein, qu'on retrouve chez les végétaux en fait. Et du coup, les fleurs, elles vont contenir plus ou moins. Et du coup, il y a des scientifiques qui ont essayé de voir si ça pouvait avoir un impact sur les abeilles. Et effectivement, ça avait un impact sur les abeilles. Donc après, ils l'ont fait de manière artificielle. Mais en augmentant la caféine que les butineuses pouvaient prendre, ça fait qu'elles avaient une ardeur au travail plus intense. Donc, c'était rigolo. Comme chez faire un petit quoi. Parallèle avec nous dans nos sociétés. Voilà. Okay. Et alors, toi, donc, du coup, tu vends le miel que tu récoltes ? Tu vends les différents produits de ton travail ? Alors, en fait, donc, le centre de mon activité, en fait, ça va, c'est vraiment de... En fait, ce qui m'intéresse, c'est de multiplier des abeilles rustiques pour le diffuser auprès des apiculteurs que je connais. Du coup, quand on fait des abeilles rustiques, c'est des abeilles qui meurent pas, donc forcément elles produisent du miel. Et quand c'est des bonnes abeilles, ça produit quand même pas mal de miel. Et donc du coup, effectivement, après je vais vendre alors dans les circuits courts, hein, beaucoup avec les AMAP, ou sinon avec dans les restaurants à Paris, par exemple les tables moussées ou des chocolatiers, et vendre ce miel pour finalement avoir de l'argent pour pouvoir réinvestir, parce qu'en fait aujourd'hui on est un peu en course en apiculture. Pour l'instant on n'a pas trop de problèmes avec des sociétés qui ont pu breveter différents trucs sur l'abeille, et du coup ce qu'on veut faire, c'est que comme on a des abeilles, on a identifié des abeilles qui sont rustiques, qui sont costauds, on travaille avec la fondation, essayer d'identifier justement les marqueurs de cette résistance. Donc, la fondation c'est Aristabi, pour après pouvoir le diffuser, que ça reste libre pour tous les apiculteurs. Et donc tout ça, ça nécessite beaucoup de matériel en fait, hein. Par exemple à la maison, j'ai un thermocycleur, des choses pour analyser le génome des abeilles. Par exemple quand je travaille en abeille noire, j'ai besoin de savoir est-ce que mes abeilles elles sont noires, ou est-ce que c'est bien des abeilles locales ou pas, et c'est pas forcément facile en leur demandant. Du coup, il faut que j'étudie leur génome mitochondrial, donc ça me nécessite du matériel de biologie, quoi. Donc ça demande des fonds, et donc du coup, finalement, de vendre mon miel, ça me permet d'avoir des fonds pour pouvoir être toujours arriver à garder la sélection chez les paysans, quoi. D'accord. Et on entend beaucoup parler des différentes vertus des différents produits des abeilles. T'avais aussi mis un lien sur ta page Facebook que j'avais vu, qui concernait le miel qui était utilisé. Alors ça va être un peu gore, mais c'était suite à une amputation qui permettait qui avait des bienfaits. Peut-être que Effectivement, en fait, les produits de la ruche, ils sont très variés, hein. Il y en a plusieurs qui ont toutes des vertus différentes. Déjà, le premier produit qu'on connaît tous, c'est le miel. Donc le miel, c'est une substance sucrée que l'on va utiliser déjà pour avoir de l'énergie, puisque le sucre, c'est notre énergie, c'est l'énergie des abeilles. Le miel, il est donc produit quand les abeilles vont se nourrir de nectar, de nectar, fleurs, elles vont ça, prendre du sucre réduit. Sur les fleurs, avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. Elles vont le mettre dans la colonie, en fait, le transporter, et rajouter à ce sucre et cette eau plein de protéines, d'éléments, d'enzymes, qui vont faire que ça a un produit qui sera encore vivant et qui se conservera, par exemple, très bien. Parce que de l'eau et du sucre, vous avez dû tester chez vous, ça ne se conserve pas du tout. Alors que du miel, ça se conserve assez bien, quoi. On peut dire que le miel, c'est du vomi d'abeille. Alors, je sais pas si on peut dire vomi, parce qu'on n'a pas de jabot. Si on aurait un jabot et qu'à partir de là, on pourrait définir le vomi, peut-être. Mais en fait, ça rentre dans une sorte de jabot, c'est une sorte de grande bouche, voilà. Et après, en tout cas, une sorte de deuxième bouche, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Et après, elles vont l'enrichir d'enzymes et après le remettre dans la ruche, en fait. D'accord. Donc, c'est pas vraiment, ça va pas dans l'estomac ou des choses comme ça, comme quand on a l'image du vomi, par exemple. Si on récolte pas le miel, c'est grave ? Alors, en fait, non, c'est pas grave.
Les abeilles vont le consommer l'hiver et puis il va en rester. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut, pour certains miels qui sont riches en glucose, cristalliser, devenir durs et qui sont un peu plus difficiles à prendre pour les abeilles. Mais ça pose pas de problème particulier, non. Et j'ai une question stupide. Tu dis tout le monde a essayé l'eau avec du sucre. Je sais pas si c'est fréquent. Si vous laissez du sucre. Mais en tout cas, je veux bien savoir quelle est l'expérience à faire. L'expérience est tout simple. Vous oubliez un verre de sirop sur votre table, tout de suite, ça va mal finir, quoi. D'accord. Si vous faites pas la vaisselle sur vos aliments qui sont un peu sucrés, un yaourt, c'est du sucre, entre autres. Ouais, mais il y a pas que ça. Voilà, mais il y a plein de choses. C'est que voilà, effectivement, le miel, c'est que c'est beaucoup de sucre avec un petit peu d'eau, il y a moins de 18% d'eau et puis des enzymes qui vont faire qu'il va se conserver en fait longtemps. Mais ça, c'est que l'énergie pour les abeilles. Après, les abeilles, elles sont comme nous, on ne mange pas que des pâtes et du sucre. Non, on va manger des végétaux, donc pour avoir des vitamines et puis de la viande. Et ça, ces vitamines et puis ces protéines, les abeilles vont les obtenir via le pollen. Et donc, on comprend bien que le pollen, c'est un produit de la ruche qui est extrêmement intéressant. Dans notre société, on est toujours carencé en certaines protéines. On peut prendre des protéines de synthèse. Le problème, c'est que généralement, ça va être des isoformes. En gros, ma main droite, c'est la même chose que ma main gauche, mais elles ne se superposent pas vraiment. Et donc, du coup, ces molécules de synthèse, ce n'est pas vraiment les mêmes vitamines que celles qui sont dans la nature. Et que du coup, parfois, elles n'ont pas toujours les mêmes effets secondaires. Entre autres, il y en a certaines qui sont cancérigènes, alors que dans les vitamines naturelles, beaucoup moins. Et donc, le pollen, c'est un truc intéressant pour choper des vitamines qui sont un peu plus saines. Voilà, donc ça c'est pour le pollen et aussi pour attraper des protéines, ce qui peut être compliqué par exemple quand on est végétarien. En gros, dans les produits de la ruche, il y a le miel dont tu nous l'expliquais. La propolis, qu'est-ce que c'est déjà ? Voilà, la propolis, c'était la substance qu'on récupérait sur le bourgeon pour tapisser la ruche, pour qu'elle soit saine. Et après, il y a aussi, comme d'autres produits de la ruche, il y a la cire. Donc là, la cire, je vous invite à aller sur Internet pour voir comment elle est produite par les ouvrières. C'est vraiment magnifique. En fait, entre leurs différents segments, elles vont produire des petites écailles de cire. Donc c'est du gras. Et pour faire leur construction dedans. Et en fait, cette cire, elle est produite un peu comme nous. On consomme du sucre et si on est en excès de sucre, on va devenir obèse, on va avoir un excès de gras. Et ben, les abeilles, c'est pareil, elles vont consommer du sucre, voilà, donc du miel, du nectar. Et à partir de ça, elles vont le transformer en cire pour pouvoir construire leur maison. D'accord. Donc pas d'obésité chez les abeilles, c'est régulé sous forme de cire. L'excès dans les fesses. Ok. Voilà. Et du coup, ouais, voilà, moi j'entends surtout plein de fois le bienfait du miel, mais c'est surtout des formes de communication où on vous explique que le miel c'est naturel, donc on a envie de manger. Et je voulais savoir un peu vraiment ce qui était prouvé plus ou moins scientifiquement. Tu m'avais donné un exemple. Ouais, avec le miel de thym entre autres. Effectivement, le miel c'est de plus en plus utilisé en milieu hospitalier pour favoriser la cicatrisation avec le miel de thym. Où en fait on va appliquer sur des plaies ou suite à des opérations, des personnes qui ont eu des grosses ouvertures généralement, du miel pour en fait favoriser cette cicatrisation grâce aux enzymes qui sont présentes dans le miel, comme je vous l'ai dit, ce que les abeilles vont rajouter. Et en plus l'avantage c'est qu'on va faire une sorte de film qui est grâce à d'autres enzymes protégées contre les bactéries, donc on va empêcher les bactéries extérieures de rentrer dans la plaie et en même temps favoriser sa cicatrisation. Ah ouais, donc ça fait un film isolant et en plus antiseptique en quelque sorte et qui favorise la cicatrisation. Et il y avait aussi quelque chose je crois pour la parodontie, donc Ah ouais, on a la propolis qui en fait sert à limiter le développement des bactéries et des virus dans la ruche ou sur les bourgeons. Et du coup, il y a eu des études. Alors, les papiers que j'avais regardés, c'était des papiers indiens. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous, parce que je ne sais pas si vous êtes allé chez le dentiste ou chez le parodontologue, mais il faut quand même un peu de moyens pour pouvoir y aller. Et du coup, ils ont essayé de trouver des méthodes alternatives et scientifiques. Et du coup, ils ont appliqué des produits antibactériens naturels, voir s'ils pouvaient l'utiliser pour régler leurs problèmes. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, en appliquant de la propolis dans les problèmes de parodontie... Donc la parodontie, c'est un problème de gencives. Les gencives se sont attaquées en fait, diminuées. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, des bactéries qui sont présentes chez tout le monde, tout le monde les régule normalement. Voilà, il y a un dialogue entre les bactéries et le système immunitaire qui vont les réguler. Et en fait, dans les problèmes de parodontie, c'est que génétiquement, on peut avoir un dialogue qui est un peu de mauvaise qualité et avoir des bactéries qui vont prendre un certain avantage et du coup vont se développer et manger en fait les os des gencives en fait, ou les gencives.
Et du coup, en fait, la propolis, elle va en fait permettre au système immunitaire d'être en meilleur, d'être un peu plus puissant, pour simplifier. Et du coup, permettre de rééquilibrer un peu le système et de limiter les problèmes de gencives. Donc, c'est vraiment intéressant donc cet c'est, article. D'accord, ça a été quand même étudié de voilà. façon scientifique. Et, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'avait pas un effet directement sur les bactéries, mais ça avait un effet sur le système immunitaire pour augmenter son impact. Et du coup, il y a eu... Et ça va par d'autres études. Par exemple, les personnes qui ont le cancer, il y a pas mal d'études qui ont montré que s'ils font une chimio et qu'en plus de la chimio, ils vont prendre par exemple de la propolis, que ça pouvait améliorer en fait le taux de rétablissement en fait. D'accord. Parce qu'effectivement, ça va jouer sur le système immunitaire qui est quand même assez affaibli lors d'une chimio et faire que les personnes vont pouvoir mieux un s'en peu sortir. Mieux supporter. Ok. Et donc on voit là pendant tout le temps qu'on a passé ensemble, tu vulgarises plutôt pas mal. Et je crois que ton activité commence à être assez connue. T'as participé à pas mal de choses, notamment à un film, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, il y avait Miel en banlieue où c'était un peu de présenter un peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'apiculture en ville, mais il y a deux personnes qui font des films qui ont voulu voir un peu est-ce qu'il n'y avait pas que forcément Paris comme ville, mais qu'il y avait des villes un peu autour et qu'est-ce qui se passait là-bas. Que les abeilles, ça pouvait être intéressant, donc moi, avec une activité plutôt de recherche en banlieue, mais dans la société, ce qui est important, c'est le lien entre les gens et qu'effectivement, l'abeille pouvait être. Un moyen de faire du lien en banlieue justement pour que les gens arrivent à mieux vivre ensemble à travers cet animal quoi. À travers Happy aussi tu expliques pas mal de choses, je crois que tu fais des conférences aussi. Voilà, je fais beaucoup de conférences, que c'est toujours le même objectif. L'objectif c'est d'avoir une apiculture qui reste paysanne et d'avoir vraiment des gens qui sont indépendants et libres, et pour être indépendant et libre il faut avoir une certaine culture, une certaine technicité, il ne faut pas déléguer cette technicité à d'autres, et du coup forcément ça passe par la diffusion de tout ça pour que tous nos collègues apiculteurs on puisse être les plus performants possible pour pouvoir rester indépendant et arriver à toujours produire un miel qui est de qualité en fait. Et du coup, donc, si quelqu'un voulait s'intéresser aujourd'hui encore davantage aux abeilles ou s'initier à l'apiculture, est-ce que tu aurais des ouvrages de référence à conseiller? Ouais, voire même comment commencer quoi. Alors, commencer l'apiculture. Alors moi je pense que dans la vie c'est toujours pareil, hein, je répète toujours un peu les mêmes idées, mais qu'il faut faire du lien. Donc je pense que quand on commence c'est bien de commencer à qu'il y ait un petit groupe de copains ou à accrocher une structure. Comme ça en discutant on avance toujours plus vite. Donc vraiment pas être seul et tout, je pense que vraiment faire du lien c'est important. Aujourd'hui on peut voir qu'il y a plein de stages, voilà, moi j'en propose, d'autres en proposent. Où il y a des syndicats qui en proposent pour pouvoir mettre les mains dans les colonies avant de mettre les mains dans ces colonies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça et qui pensent mettre simplement une ruche au fond du jardin, mais on se rend compte que les apiculteurs, c'est quand même, que les abeilles, c'est quand même un animal qui est un peu en danger actuellement, et que du coup, il faut une certaine technicité pour arriver à les maintenir. Voilà, et que du coup, en autogestion, ça peut très vite partir n'importe comment, parce que c'est un peu comme quand vous avez un chien, quoi. C'est simplement, il faut pas être dans le dogme du laisser-faire de la nature. Si vous avez un chien et que vous en occupez pas, forcément, ce chien, il aura des problèmes d'affection, des problèmes d'autres, et il sera dangereux pour les autres. Les abeilles, c'est un peu pareil. Quand vous avez une ruche, le minimum à faire, si vous avez pris si vous avez pris une ruche, il faut vous en occuper, vérifier qu'elle tourne bien, que tout se passe bien à l'intérieur, qu'elle aille pas, par exemple, essaimer à aller chez le voisin et poser les problèmes. Et donc ça nécessite de faire du lien avec des apiculteurs qui ont déjà une certaine expérience. Vous, avec votre regard neuf, vous allez leur apporter une nouvelle expérience en plus, et pour pouvoir vous lancer. Ça me fait penser que parfois donc en ville on part l'été puis on se retrouve en revenant avec une colonie d'abeilles qui s'est installée dans le volet roulant. Les pompiers arrivent et récupèrent souvent la colonie. Mais qu'est-ce qu'ils en font après? Est-ce qu'ils les donnent aux apiculteurs ou est-ce que ça pose des problèmes justement d'essaimage et ce genre de choses? Alors en fait du coup maintenant comment ça marche beaucoup, c'est que les pompiers ne se déplacent pas et c'est souvent les apiculteurs qui viennent gratuitement récupérer les essaims. Après quand les essaims sont un peu compliqués dans les cheminées ou un peu en hauteur et qu'il faut qu'il y a un danger potentiel pour l'apiculteur, ça va être des organismes payants qui viennent tout simplement parce qu'ils ont les assurances. Pourquoi je parle beaucoup de ça? C'est qu'on avait un collègue qui avait récupéré un essaim un peu haut,
qui était tombé de l'échelle, qui avait chopé la gangrène et qui était mort, et ça avait été très compliqué niveau assurance pour lui pour essayer de payer. Une fois qu'il est mort, c'est surtout pour voilà, pour essayer de payer tous ses frais d'hospitalisation et tout. Et donc quand c'est simple, les apiculteurs viennent, et par contre quand c'est un peu plus compliqué, c'est les sociétés qui viennent, qui sont assurées pour ça. Mais après, la colonie est récupérable pour pas de problème. On n'a pas peur qu'elle parte faire de l'essaimage ou ce genre de choses. Ben après, si on leur trouve un essaim, c'est que c'est une colonie qui est naturellement déjà essaimeuse, donc qui, quand Laura va reposer des trucs, des problèmes, et donc du coup, ça peut être intéressant de changer la reine par une reine qui est moins essaimeuse, voilà. Et ça changera le comportement de la colonie. Ah oui, mais c'est dingue, c'est que le comportement chez les abeilles est vraiment très très génétique. Si on prend une colonie qui est fécondée par des mâles qui sont pas SMEur et qui a une reine pas SMEuse, on aura une colonie qui sera généralement pas SMEuse, quoi. Et c'est pareil pour les maladies. On a aujourd'hui beaucoup de maladies qui se développent. Et en fait, il y a une solution, on va dire classique, c'est de mettre plein de traitements dans la colonie pour essayer de gérer la maladie. Mais le problème, c'est que la reine faible sera toujours là. L'autre solution un peu plus paysanne, c'est de dire ok, la reine faible, bon ben désolé ma petite, mais tu fais que les maladies se développent, on la supprime et on la remplace par une colonie plus rustique, par une reine plus rustique, et du coup on a des abeilles qui sont en pleine forme et on n'a pas besoin de mettre n'importe quoi dans les colonies. Et du coup, si on veut se rappeler de tout ça en plus de tout ce que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'il y a vraiment des ouvrages de référence dans le monde de l'apiculture? Du coup, les ouvrages de référence, il y a le Traité Rustica qui est très généraliste et qui présente vraiment beaucoup de choses en apiculture. Après, historiquement, c'est intéressant de lire tous les livres du frère Adam, c'est celui qui a posé les jalons de la sélection en apiculture. Voilà. Ensuite, pour les gens qui sont passionnés par l'abeille mais pas vraiment par l'apiculture, il y a le livre L'étonnante abeille de Yann Toz qui présente, alors là on pourrait presque faire une autre émission dessus parce que la biologie des abeilles, il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires dedans. Et d'ailleurs on l'a abordé très vite, mais on pourrait refaire voilà, c'est ça, c'est vraiment très très riche, hein, l'abeille, c'est ça qui fait que c'est passionnant. Et ensuite, pour tous les apiculteurs qui cherchent à avoir des données, j'invite fortement les gens à pas forcément aller dans les magazines qui ont repris l'information et parfois l'ont modifiée, mais d'aller directement aux articles sources. Et pour ça, c'est assez simple, on va dans Google Scholar par exemple, ou dans PubMed, c'est publication médicale, on tape alors en anglais ce qu'on recherche et on va trouver plein de littérature scientifique, voilà. Où les abstracts sont toujours, en cas où des synthèses sont toujours accessibles, pour essayer de comprendre par soi-même qu'est-ce qui est vrai, quoi, quelle est la biologie derrière. Par exemple, je pense aux huiles essentielles, où il y a plein de gens qui testent des choses comme ça, les huiles essentielles dans la ruche. Vous pouvez déjà regarder sur la littérature scientifique, qu'est-ce qui a déjà été fait, quoi. Là-dessus, alors j'ai jamais essayé dans ce domaine-là, mais d'expérience pour avoir essayé dans d'autres domaines, c'est compliqué de faire le tri quand même. Et souvent, on a besoin d'autres sites ou d'autres sources pour justement faire le tri. C'est le problème d'Internet. C'est que sur Internet, il y a tout. Ouais. Et du coup, quand n'importe quelle source, qu'elle soit scientifique ou non, il faut garder un esprit critique dessus. C'est pas parce qu'un article est scientifique qu'il est forcément juste. Les gens sont des humains, ils peuvent parfois se tromper. Ce qui est juste, c'est quand on a un ensemble d'articles qui, à chaque fois, arrivent toujours aux mêmes conclusions, où là, la donnée est plus solide. Et il y a peut-être, je ne sais pas si sur les abeilles il y a du monde, mais il y a un site qui s'appelle Cochrane, je crois, si je ne dis pas de conneries, qui fait un peu un bilan de plusieurs publications pour dire un peu quelle est la tendance, est-ce qu'on a un avis ou pas là-dessus. Ben voilà, ça peut être peut-être un parti pris de dire peut-être quel est l'avis et tout. Je ne connais pas du tout ce site, donc du coup j'ai pas trop d'avis. Je sais que c'est un site qui existe et qui est assez populaire pour ce qui est des médecines alternatives et compagnie. Pour les abeilles, je ne sais pas du tout. Ah, alors là, j'ai aucune idée. Et d'aller directement à la littérature scientifique, même si je pense que c'est vraiment important, parce que je pense que dans notre société où la science existe beaucoup, je pense que que les personnes puissent par eux-mêmes avoir accès directement à l'information et pas que ce soit limité à certaines personnes et que les autres soient des profanes et tout, et d'essayer de diffuser les connaissances. En tout cas, moi, ça fait partie vraiment de ce que je veux transmettre. Je veux vraiment que, par exemple, les agriculteurs soient des techniciens, même des ingénieurs, pas simplement là à faire des allers-retours avec leur tracteur dans un champ, mais qu'ils aient accès aux données pour pouvoir avancer. Je pense en bio, par exemple, ils ont vraiment besoin de comprendre la biologie des sols pour pouvoir avancer. Et ça, c'est des domaines qui sont super modernes, et donc il faut aller chercher l'information. Alors, il y a des conférences de certaines personnes, mais il y a aussi des publications sources qui sont extrêmement intéressantes, quoi.
Ok. Bon, déjà, on peut trouver plein d'informations sur ta page Facebook, sur ton site. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vois que tu le mets en lien assez rapidement. Et je fais les synthèses sur plein de. J'ai fait les synthèses sur les mécanismes de fécondation des abeilles, sur les caractères de résistance, voilà, sur plein de choses, pour encore une fois essayer de diffuser pour que les apiculteurs soient le plus technique possible. Et j'ai vu que tu visitais d'autres apiculteurs un peu partout dans le monde. Tu étais allé en Sicile. Ouais, au Sicile, au Danemark, à plein d'endroits. Effectivement, en fait, toujours, c'est toujours les mêmes idées. Hein. C'est que si on veut être bon dans la vie et si on veut progresser, il faut faire du lien et rencontrer des gens. Et du coup, d'aller voyager pour voir d'autres pratiques, d'autres milieux, ça me permet de moins me remettre en question sur mes pratiques et de voir les choses avec un autre angle. Et du coup, d'être meilleur et après de le transmettre à d'autres pour que tous on puisse avancer. Tout en restant en paysan, quoi. Ok. Robin, je sais pas si... tu avais d'autres choses sur ton déroulé ou pas? Bah non, justement, je voulais savoir s'il y avait des questions dans le chat. Ouais, voilà, j'allais y venir. C'est Robin qui est aux commandes. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a deux questions d'Inti, en fait, qui demandaient si on savait combien de gènes qui rentrent en jeu pour les caractères intéressants. C'est intéressant. Résistance, quoi. Pour le caractère hygiénique, donc ça évolue, mais à la base, on pensait qu'il y avait en fait deux gènes. Un gène qui était nécessaire à l'abeille pour détecter le problème et un gène qui était nécessaire pour le nettoyer. Donc ça, c'est les vieilles publies. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est un peu plus riche que ça pour le caractère de résistance aux maladies du couvain. Donc ça serait un ensemble de gènes. Pour le caractère VSH, c'est de résistance contre le parasite qui s'appelle Varroa. Aujourd'hui, finalement, ça semble être réduit. En fait, il y a beaucoup de gènes, mais il y en a quelques-uns et ils sont faibles. Donc, c'est un peu un débat sur plusieurs chromosomes. Ils seraient une 3-10 qui soit vraiment un impact majeur dans l'expression du caractère, en fait. Donc, il y a un ensemble de gènes, mais il y en a quelques-uns qui sont plus importants que les autres. Et alors, il y avait une autre question que je te lis vraiment mot à mot parce que je risque de... Voilà. Il y a des mots que je ne connais pas dans la question. Il n'y aurait pas moyen d'insérer les caractères de résistance par transgénèse ou édition génomique? Alors là, il y en a qui ont regardé, qui ont suivi sûrement les cons sur Caspase9. Et là, effectivement, c'est des méthodes qui sont extrêmement intéressantes pour faire... Juste, tu disais les méthodes qui ont suivi les conférences sur quoi? Alors, il y a plein, en fait, c'est une méthode, ça c'est vraiment d'actualité, effectivement. C'est CRISPR dont tu parles peut-être ? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc CRISPR, on en a fait un épisode, c'est juste pour justement faire le lien avec ce voilà, tu fais bien. Et je pense que c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent à la génétique à écouter, parce que c'est vraiment un domaine qui est extrêmement intéressant aujourd'hui. Par contre, nous, en apiculture, on se refuse à utiliser ces méthodes. Tout simplement parce que ces méthodes coûtent cher et du coup elles ne pourront pas être dans les mains des apiculteurs ou des agriculteurs. Nous, on veut vraiment produire de la sélection paysanne et du coup que les choses puissent rester dans les mains des agriculteurs. Ensuite, le problème de ces méthodes, c'est que comme on l'a présenté, il y a parfois quelques gènes qui sont intéressants, mais c'est tout un cortège de gènes qui est intéressant. Et du coup, d'étudier directement le phénotype et de garder les individus résistants, on a une vision bien plus riche parce qu'on a des individus qui sont bons au sens large, alors que quand on va faire de la modification comme ça, on va rajouter un élément, ok, mais tout le reste, pas forcément. Donc non, on souhaite pas le faire pour des raisons éthiques, mais finalement, même techniquement, on se demande si c'est forcément le plus intéressant, quoi. Oui, ça vous permet d'avoir une sélection globale finalement et pas d'injecter juste un élément intéressant qui pourrait ne pas suffire en lui-même ou plus tard se révéler insuffisant. C'est ça. Et après, juste, excuse-moi, c'est ce qui compte aussi. Par exemple, moi, je fais de la sélection. Ce que je ne souhaiterais jamais, 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 c'est que par exemple, tous les apiculteurs d'Europe m'achètent les abeilles chez moi. Ce qui se passerait, c'est qu'on aurait une perte de la diversité dingue. Et ce serait une catastrophe. Pourquoi je diffuse, pourquoi je viens ici ce soir, pourquoi j'écris plein d'articles sur mon site, c'est pour que finalement... C'est une catastrophe qu'on a déjà dans le végétal, en fait. Ben voilà, c'est ça, exactement. Quand je diffuse beaucoup, c'est que simplement pour que les apiculteurs soient techniques, que chacun fasse sa propre sélection, qu'on ait une diversité d'abeilles qui existent. Peut-être que la mienne aujourd'hui, elle est très bien parce qu'elle produit, parce qu'elle est résistante, parce qu'elle ne sème pas. Mais ça se trouve que demain, il y aurait une nouvelle maladie qui est inconnue et je n'aurais pas sélectionné ce caractère, je l'aurais raté parce qu'il n'existait pas. Et que le petit gars qui faisait son truc dans son coin, je ne sais pas où, et ben lui, en fait, il n'a pas raté ce truc que moi, j'ai raté et que du coup, ses abeilles sont extrêmement intéressantes. Donc, ce qui compte dans la vie, c'est toujours ça. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une diversité de pensées, qu'il y ait des gens qui travaillent en abeille locale, des gens qui travaillent en une autre abeille, pour que quand il y a des problèmes, les abeilles et la filière arrivent à s'adapter en restant paysans.
Et tu dis ton espèce, c'est-à-dire que alors toi t'en as qu'une ou t'en as plusieurs? Ah oui, plusieurs, alors moi, ma race, excusez-moi. Ta race, ouais. Pardon, je sais pas. Non, je, non c'est peut-être moi qui me suis trompé. Je sais plus si t'étais trompé de mot ou si c'est moi, peu importe, mais t'as qu'une seule alors, non, variété d'abeilles. En gros, moi tu, je travaille. Tu testes plusieurs pistes. Alors, moi je travaille en Buckfast parce que c'est une communauté comme Linux en fait. C'est une race qui, est vraiment, qui a vraiment l'esprit Linux où les gens échangent beaucoup. Donc, du coup, pour avancer, c'est très très bien. Par contre, comme je sélectionne. Donc les abeilles qui sont restantes, par défaut, je vais faire perdre de la diversité quand on sélectionne. Et du coup, à côté de ça, je fais de la conservation de l'abeille locale, de l'abeille noire, où là, je les garde sans les sélectionner. Ça vaut ce que ça vaut, mais je les garde sous le coude. Si jamais demain, il y a un truc nouveau, eh ben, j'aurai cette diversité qui potentiellement, où je pourrais piocher dedans, et voilà, qui est importante à conserver. Donc à la fois de la conservation et à la fois c'est de la ça. Sélection. Tu fais les deux en même temps. Voilà, pensez que le bon d'un jour, une réserve de diversité. C'est ça. Voilà, penser que le bon d'un jour est le bon pour toujours, c'est une erreur en fait. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une erreur. Et donc, t'as beaucoup de ruches alors ? Alors ouais, effectivement. Du coup, j'ai pas mal de ruches, de sélection, justement pour avoir une base de sélection forte, pour pouvoir sélectionner ben, les meilleurs individus d'un gros échantillon sont toujours meilleurs que d'un tout petit échantillon. Et du coup, je monte aussi pas mal de collaborations avec des collègues pour qu'ils puissent bénéficier de ce matériel résistant pour pouvoir produire du miel de qualité dans de bonnes conditions. Et moi, bénéficier d'une base de sélection plus grande pour pouvoir encore sortir les individus qui sont les plus intéressants en fait. Et donc, ouais, juste une question parce que quand on fait, alors c'est un truc qui est un truc de matheux, mais qui est, je sais pas dans quelle mesure ça a un sens aussi dans le vrai monde, mais quand on fait des algorithmes génétiques, ce qu'on appelle des algorithmes génétiques, on essaye de trouver une meilleure solution. On essaye de copier en gros l'évolution, donc on fait des mutations. Je sais pas si tu connais ce genre de choses, mais on sélectionne les meilleurs, mais on sélectionne pas que les meilleurs, c'est-à-dire qu'on a d'autant plus de chances d'être sélectionné qu'on est bon. Et on garde aussi des mauvais en disant sinon tu risques de te retrouver sur un palier. Alors là c'est super intéressant, on parlait de ça dans les bottlenecks tout à l'heure, en fait finalement c'est ce qu'on sous-entend. Effectivement il y a différentes forces évolutives. On a la sélection naturelle qui est une des forces évolutives. Cette sélection naturelle elle va être influencée par une autre des forces évolutives qui est la mutation. Donc en gros la genèse des nouveaux caractères est due à la mutation. Ces nouveaux caractères peuvent être plus ou moins présents dans les populations par la sélection naturelle, mais pas que. Il y a un autre phénomène qui s'appelle la dérive génétique. C'est qu'en gros, si vous êtes, des individus qui vous arrivez sur une île, imaginons qu'il y a un homme super costaud qui résiste à toutes les maladies du monde et tout, et manque de bol, lui il est tombé de l'autre côté de l'île, vous êtes le petit gars pas costaud et tout, mais vous êtes tombé avec la minette. Et du coup, il y a de grandes chances que en fait, ça soit vous qui diffusez plus votre génome, que le grand costaud et tout, même si la sélection naturelle le favorise plus lui. Simplement parce que quand on a des petits effectifs, le lien entre les individus n'est pas forcément évident, et du coup, en fait, on peut avoir finalement des individus, des allèles qui vont se diffuser dans les populations qui ne sont pas forcément ceux dus à la sélection naturelle. Simplement parce que l'effectif est petit et donc les choses sont un peu biaisées, en fait. En fait, là, je pensais à autre chose, c'est le... L'exemple qui est donné souvent, qui est assez parlant, je trouve, c'est de dire si on cherche le sommet le plus haut du monde, on balance plein de gens, on leur demande de monter le plus possible, et puis au bout d'un certain temps, on prend ceux qui sont le plus haut, et puis on remet plein de gens là, et puis on leur demande de monter, etc. Sauf que s'ils sont tous partis dans les Alpes, personne ne trouvera l'Everest, à moins de sélectionner aussi quelqu'un qui est arrivé moins haut que les autres, temporairement, avant d'arriver dans l'Himalaya, quoi. Et donc, l'idée, c'est de dire, en fait, si on veut améliorer, faut aussi conserver, et c'est ce que tu dis avec ta diversité que tu conserves, faut aussi sélectionner dès qu'ils sont pas forcément les meilleurs, mais peut-être qu'ils ont des gènes qui, dans un autre cadre, combinés avec d'autres, pourront... Ah, mais c'est exactement ça. Et c'est, encore une fois, l'importance de la diversité. Ouais. C'est que... vraiment le bon d'un jour c'est pas le bon pour toujours, et dans la vie c'est pareil, c'est bien d'avoir des gens qui ont des idées différentes parce qu'on sait pas qui a raison en fait, et du coup ben, forcément on arrivera tout doucement à avancer comme ça grâce à cette diversité. J'ai une dernière question, ça te prend combien de temps ces histoires de ruches, parce que ça a l'air quand même assez fou. Il ne dort pas. Parce que rappelons que c'est une activité secondaire en fait, c'est pas ça qui te permet de gagner ta vie principalement. Voilà, ben, en fait l'apiculture, vu que moi je cherche à faire diffuser et tout, j'ai pas l'axe commercial, il est vraiment secondaire. Moi je veux vraiment travailler là-dessus parce que c'est ce qui me plaît quoi. Et en fait ça prend un temps infini. Et là, vraiment, je remercie ma copine qui arrive à tenir, parce que pour les copines d'apiculteurs, je comprends les souffrances que ça peut être, parce qu'on travaille tout le temps. Les gens pensent que l'apiculture, c'est être dans les champs, tranquille avec les fleurs, mais en fait, pas du tout.
En saison, on travaille tout le temps, parce que la saison est très courte et il faut faire tout sur quelques mois. Et après, l'hiver, ça demande beaucoup de temps pour préparer les ruches, préparer les différents projets, comme l'avenir vous voir, pour aller vendre le miel pour les apiculteurs. Et donc, il y a un travail qui est aussi dense, qui est plus calme, mais qui est quand même assez dense aussi en hors saison. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que vous le savez, tout le monde connaît des agriculteurs, on ne peut pas être agriculteur au sens large sans être passionné. Le gars qui est laitier, il ne gagne rien. Ils gagnent même pas des SMIC, les gars, et ils travaillent tout le temps, ils ont jamais de vacances. L'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui économiquement est très très défavorisé, mais qui est peuplé que de passionnés en fait. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler, je crois que je l'avais dit en début de l'émission, mais donc à la base tu es prof de bio, donc c'est quand même une activité à plein temps, tu fais des interventions parfois aussi en prépa, plus ta collaboration avec le CEA, plus ta participation à la fondation Aristabi, ça doit prendre effectivement un temps fou, et je sais pas, enfin, chapeau, parce qu'en plus tout ce que tu fais c'est quand même assez désintéressé, et tout ça c'est pour le bien de la communauté, quoi, donc... Voilà, mais après, je pense que c'est pareil quand on élève ses enfants, ça prend du temps, on essaie de le faire le mieux qu'on peut et ça prend un temps fou, et tout ça pour la communauté. et voilà, je pense que c'est un peu pareil. Voilà, moi, j'ai pas d'enfants, okay. J'ai des abeilles. J'ai super mal fait mon boulot. Déjà, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée et sur laquelle tu voudrais revenir parce que tu as besoin d'apporter une précision mais en même temps, on est un peu débordé par le temps parce qu'on a commencé avec un petit peu de retard et toi, malheureusement, tu as des contraintes pour devoir repartir. Est-ce que tu verrais d'autres questions? Voilà, moi, la seule. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais un truc. Aujourd'hui, c'est un peu de l'actualité, on a eu une volonté de structurer les filières agricoles avec le porc qui a favorisé la vente à des grands supermarchés, à des grandes personnes qui rachètent ça. Et ça a conduit à des catastrophes, on voit que dans le porc, les gens ne s'en sortent pas. Il y a une grosse volonté en apiculture de structurer la filière, ça veut dire de conduire aux mêmes choses en fait. Et du coup, voilà, moi j'ai un peu une peur là-dessus et voilà, je fais du lobbying pour que les choses restent dans les mains. Des apiculteurs et des agriculteurs au sens large pour qu'ils puissent avoir la technicité pour gérer les exploitations en fonction de leur volonté et comme c'est des gens passionnés, ils font forcément les trucs bien, et alors que quand ils délèguent à d'autres, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et voilà, c'est vraiment essayer de rester en direct, en contact avec les clients et avec les consommateurs pour vraiment arriver à maintenir une filière technique et de qualité, quoi. C'est vraiment ce qui compte pour moi. Sans s'acheter une ruche ou sans s'initier soi-même à l'apiculture. Ah oui, mais ça, est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est un grand appel aux apiculteurs. S'ils veulent me soutenir, les apiculteurs, c'est que justement pour multiplier mes abeilles résistantes aux varroa, j'ai un gros problème. C'est que je n'ai pas assez de varroa. J'ai pas assez de parasites. Du coup, sans parasites, savoir si les abeilles sont résistantes, c'est un gros problème pour moi. Et du coup, s'ils peuvent me donner des parasites vivants pour que je puisse infester mes colonies, ça me fait très plaisir. D'accord. Ok, donc te donne des parasites. Et sinon, pour le vegan pécom comme moi qui voudrait soutenir votre action. Eh bien, pour soutenir mon action, mais il y a des milliards de projets du même type en agriculture, ben en fait, vous savez tous les jours ce qu'il faut faire. Vous devez réfléchir à comment vous consommez, parce que c'est finalement, si moi je peux faire ça, c'est que derrière j'ai des AMAP, j'ai des consommateurs qui me font confiance et achètent mes produits, qui me permettent d'avoir de l'argent pour pouvoir réinvestir dans des projets comme ça. Et du coup, en tant que consommateur, vous choisissez directement à qui vous donnez votre argent. Est-ce que vous le donnez à des agriculteurs pour qu'ils montent des projets, ou est-ce que vous le donnez à des industriels pour que ça aille je sais pas où? Ça, c'est à vous de choisir. Voilà, et il n'y a rien de compliqué, c'est simplement choisir qu'est-ce que vous voulez que le monde devienne. Okay. Et alors, pour terminer, parce que normalement, et ça je ne l'ai pas fait, donc tu pourras botter en touche si tu le désires, on termine toujours l'émission par une citation. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête sur ton sujet? Ah ben, bah, moi ça serait sans hésitation, une citation de Frère Adam, c'est « Donne sans attendre de retour ». Bah, c'est une belle façon de terminer l'émission. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on a quand même on aurait aimé, je ne sais pas si ce sera possible au montage, mais couper parfois les propos d'un petit intermède musical
par la suite et on verra si c'est possible, tu me diras ou pas. Et dans ton sujet, il y avait un ou deux titres que tu aimais bien, non, ou auxquels tu avais pensé? Oui, je pensais au vol du bourdon. Voilà, il y a plein de chansons sur l'apiculture qui peut être intéressant peut-être à mettre dedans pour quand c'est trop dense, que les gens puissent prendre un peu de recul sur les infos. Si on n'a pas réussi pendant un montage pour des questions de droit ou autre à avoir une playlist qui correspond, et ben vous pouvez à un moment donné mettre pause, aller chercher le vol du bourdon ou l'apiculture de Bachon pour vous remettre tout ça un peu dans l'esprit, et ça vous permettra peut-être d'assimiler les propos et puis de revenir sérieusement sur ça. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment te remercier déjà d'être venu, parce que c'était pas évident de parler de ce sujet-là. En plus, c'est assez complexe parce que c'est difficile de trouver quelqu'un justement qui a des bases scientifiques pour parler de façon assez sereine et sans être super engagé d'un côté, de façon dogmatique sur le sujet des abeilles et sur les menaces actuellement. Donc c'est super précieux et vraiment merci beaucoup pour ta participation. Merci de m'avoir invité et de pouvoir présenter tout ça. Hyper intéressant. Très chouette. Il faut vraiment faire la pub de ce numéro. Ouais. J'aurais jamais imaginé tout ça, mais hyper intéressant. Merci. Autre chose, Billy, ou on conclut? Non, vous pouvez conclure. J'ai fait mon boulot. Je crois qu'il faut faire quand même. Je crois qu'on n'a pas de quiz du mois. J'ai aucune vision sur quel est le plug de la semaine prochaine, vu que j'ai mon ordinateur en mode minimal. J'ai quand même le teaser pour le prochain épisode. Vas-y. Sous les yeux, je crois. Oh, t'es pas à l'aise, toi. Ce sera donc en deux épisodes, les 249 et 250. Le titre, c'est Partage de gâteau. Alors, l'intervenant, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, c'est Lily. Les Nguyen Wang, c'est ça, hein? Ouais. Que j'ai croisé à Lyon Sciences pour la première fois en vrai. Et qui a quand même parlé de ce sujet à PS Plaisir. Podcast Science Plaisir, il a abordé le sujet, mais disons qu'il n'y a passé qu'un quart d'heure. Un quart d'heure pour savoir comment on partage un gâteau, c'est quand même pas beaucoup. Ça mérite d'y revenir deux heures, je pense. Donc je peux lire le teaser du coup pour la semaine prochaine. Alors, partager un gâteau, a priori ça n'a pas l'air compliqué, sauf si un bout est plus chocolaté que l'autre et si les fraises se trouvent toutes au même endroit. Et surtout si Robin ne veut que du chocolat, alors je crois que c'est une spéciale dédicace, et si Julie déteste la fraise, si Irène, je crois aussi c'est une spéciale dédicace, dit vouloir de la fraise, alors qu'en fait elle veut surtout le chocolat, et si Joanne, j'ai fait encore une boulette, qui prétend être au régime, elle veut en faire la plus grosse partie possible. En pratique, ça peut vite être le bordel, et plutôt que de tenir compte des préférences des différents podcasteurs, il est peut-être plus simple d'avoir un dictateur, appelons-le Alan, qui décide du partage du gâteau de façon quelque peu arbitraire. Mais alors, ce partage sera-t-il optimal? Et surtout, sera-t-il juste? Et avant tout, qu'est-ce qu'un partage juste? Finalement, ça fait un peu le lien avec ce que tu viens de nous dire. Et peut-on déterminer une méthode qui garantit un partage juste? Et les podcasteurs pourront-ils y gagner à tricher et à mentir sur leurs préférences? À la suite de mon épisode dans l'émission Radio Dessinée et dans les deux podcasts à venir, je vais vous montrer que partager un gâteau, c'est pas de la tarte. Et en plus, c'est d'actualité, parce que je crois qu'il y a quelques mois, voire un peu moins, on a découvert une nouvelle manière de découper une pizza de manière équitable. Ouais, il n'y a pas longtemps, ouais. Mais là, j'ai pas bien compris quel problème. On lui posera la question du coup, quoi. Mais le découpage obtenu est super beau, c'est surtout ça qu'il faut dire. Ouais, mais je crois que c'était de manière équitable avec la même aire, et puis aussi la contrainte en plus, c'est que je crois qu'il y ait autant de croûte pour tout le monde. Autant de croûte pour tout le monde, parce que c'est une pizza, droite, quoi. Je crois. Ah, c'est possible, ouais. Et toutes les parts de la même forme. Donc on en parlera la semaine prochaine, en deux semaines. Et en deux épisodes, attention. Bon, bah, d'ici là, en tout cas, encore un grand merci pour cet épisode. C'était hyper intéressant. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour couper des gâteaux. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez ouvrir votre ruche, nous envoyer des photos et puis surtout partager cet épisode à travers l'internet mondial. Et vos parasites, envoyez à Billy toutes les tiques que vous avez dans votre ruche par courrier directement en Belgique. Et avec, n'oubliez pas d'envoyer à Billy des panneaux de signalisation, elle les attend toujours. Voilà. Que dire d'autre? Donc vous pouvez partager tout ça sur SoundCloud, Facebook, Twitter, YouTube. Ils entendent en direct la réaction de Julien qui voit le dessin d'Inti sur les abeilles résistantes. Ils n'entendent rien en fait, Robin. YouTube, Twitter, Facebook, podcastscience.fm bien entendu. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour découper des parts de gâteaux avec plaisir. Et puis merci bien d'être venu, à la semaine prochaine. Et d'ici là, que servir la chance soit votre joie. À ciao.